Bonjour à tous. À ce webinaire du cluster Tweed et de Greenwin, donc, il y a encore toute une série de personnes qui se connectent. On est ravis d'organiser ça aujourd'hui. C'est un sujet qui est important pour nos deux organisations. C'est d'ailleurs moi personnellement un sujet qui me passionne. C'est le premier projet que Tweed a fait dans le plan Marshall. On a récupéré en fait des métaux de voitures. On a recyclé des voitures. On a récupéré en fait des résidus de broyage et du carbone. Et en fait le carbone, ben, on l'a valorisé. Et ce résidu de broyage organique, on en a transformé en fait en un carburant essence. Donc, c'était le premier projet Phoenix il y a une dizaine d'années sur lequel on a travaillé, ce qui a en fait débouché sur un investissement chez Comet Traitement de plusieurs millions d'euros. Et donc, on voyait déjà les prémices en fait d'une filière de carburant synthétique. C'était il y a une dizaine d'années, mais maintenant, on va voir en fait au cours de ces 2 heures que ça bouge énormément dans ce secteur-là. Et donc, moi, je suis en tout cas personnellement ravi d'avoir les différents orateurs du jour. Et je pense aussi que, en termes de structure, quand on regarde l'écosystème lié à Tweed énergétique et l'écosystème lié à Greenwin, plutôt chimie, on va vous les présenter. Je pense qu'avec ces deux écosystèmes, on peut aller très loin. Donc, bienvenue à la Réunion. De manière très, très rapide, Tweed, on s'occupe donc de la transition énergétique. On avait commencé avec les technologies renouvelables classiques, hein, l'éolien, la biomasse, le solaire. C'est toujours évidemment nos secteurs, mais de plus en plus, on est sur des axes d'intégration de ces technologies renouvelables dans le secteur énergétique. Et donc, on parle de plus en plus d'intégration, de smart grid, de micro-réseaux, d'hydrogène, de nouveaux carburants, de mobilité, d'industrie, de réduction d'efficacité énergétique dans l'industrie. Et donc, on est plutôt en utilisation et en transition dans ces secteurs-là. En tant que cluster, ben, on est là pour vous faire réunir. Actuellement, c'est compliqué physiquement, évidemment. Dès qu'on pourra le faire, on a prévu, ben, on espère au printemps pouvoir refaire nos premiers événements présentiels. C'est important qu'on se revoie pour pouvoir aussi alimenter le pipe de projets, même si on n'a pas manqué de projets récemment, mais il va falloir qu'on se retrouve pour alimenter ce pipe-là et donc pouvoir toujours vous soutenir sur la mise en place de projets dans cette transition énergétique. Et donc, ce séminaire se fait avec la collaboration de nos collègues de Greenwin, et Leslie est ici présente pour juste donner un petit mot sur Greenwin. Oui, voilà. Donc, bonjour à tous et bienvenue. Donc, comme Cédric le disait, on est effectivement bien content de vous recevoir ici sur cette thématique-là. Donc, voilà, juste pour ceux qui ne nous connaîtraient pas, on rappelle juste brièvement que le pôle Greenwin, bah, on est un des 6 pôles de compétitivité en région wallonne. Et donc, notre mission, c'est de créer et animer les écosystèmes économiques pour catalyser, accélérer des processus et des projets d'innovation dans la transition environnementale et spécifiquement dans les domaines de Greenwin qui sont rappelés ici pour ceux qui ne les connaissent pas ou qui ne les connaissent plus. Donc voilà, Greenwin, c'est le pôle de la chimie verte, construction durable, environnement. Et donc voilà, vous voyez qu'on a défini 9 domaines d'activités stratégiques, dont notamment la transformation du CO2. Voilà. Donc tout ça, c'est dans notre ADN depuis longtemps. Donc Cédric, tu peux peut-être passer. Donc voilà, on a défini aussi spécifiquement une feuille de route 2020-2025 dans laquelle on a en fait mis en évidence parmi ces domaines d'activité stratégique 11 thématiques sur lesquelles on agit proactivement. Et donc vous voyez que la première catégorie rassemble 3 sujets dans la neutralité carbone. On y retrouve la minéralisation du CO2, le CCU par voie chimique et le stockage de l'énergie. Et donc je vous passe les autres. Voilà, vous pouvez les lire brièvement. Mais donc, clairement, c'est dans ce cadre-ci qu'on se retrouve aujourd'hui aussi avec Tweed. C'est des sujets qui sont effectivement porteurs, qui ont été définis comme porteurs par tous nos membres aussi. Et donc, voilà, on tenait à vous présenter le contenu de ce webinaire aujourd'hui dans ce cadre-là. Voilà, merci à tous.
Je profite aussi, puisqu'il y a toute une série de membres connectés, pour faire un peu, parce que pour le moment, ça, on a énormément de choses à vous proposer. Donc très rapidement, je fais une petite session d'information de 2 minutes sur ce qui arrive au sein de TUI. Donc on travaille notamment beaucoup sur l'Afrique, comme vous le savez. Et donc cet après-midi, on aura un webinaire sur en fait un appel à projet plutôt orienté TRL assez bas, donc 2 à 5, 6, donc plutôt lié pour les acteurs vraiment universités, centres de recherche, sur la recherche-innovation pour le déploiement des énergies renouvelables avec l'Afrique. Donc c'est un programme, l'IPRE, qui est un programme européen qui permet de financer des projets d'innovation. On le fait avec le pôle MEDE qui est très présent en Afrique, qui est un pôle français. Donc voilà, si vous êtes intéressé, vous pouvez encore vous connecter. Sinon, on peut vous envoyer la formation sur l'appel à projet après la réunion. Un autre appel à projet en fait qui existe actuellement et qui permet en fait une opportunité pour plutôt des PME cette fois-ci, c'est un appel à projet sur l'intelligence artificielle de manière collective. Donc ça doit répondre en fait à un secteur. Donc nous on va l'axer sur l'énergie, la construction dans le webinaire ici le 4 février. Et donc on présentera l'appel. On présentera aussi un lauréat de l'appel de l'année passée. C'est des petits projets, 80 000 euros, financés à 75%, mais qui permet à une PME d'aller prendre l'intelligence artificielle et de l'adapter à son secteur. Et nous, voilà, on travaille sur le montage des projets de ces petits projets liés au secteur de l'énergie. Quelque chose qui commence aussi cette semaine et qui va aller jusqu'en mars et jusque d'ailleurs au 31 mars avec un événement assez important le 31 mars qui est l'Energy on Counters. Donc on est ravis de collaborer avec en fait Energieville en Flandre sur en fait une série de webinaires où on fait rencontrer tous des experts pour des discussions pour vraiment construire le puzzle énergétique belge. Energieville a sorti récemment plusieurs études qui montrent les perspectives en termes de transition énergétique. Et donc, on amène toute une série d'experts durant ces webinaires. Et donc, on va à chaque fois contribuer, avec notamment le 31 mars, la direction d'Elia, de Fluxys, nous, Flux 50 et d'autres acteurs qui pourront aussi résumer un peu toutes les discussions. En fonction aussi de vos technologies, vous pouvez vous inscrire dans les différents webinaires. Une autre chose qui commence et qui va durer ici les semaines et d'ailleurs des mois à venir, en fait, on a créé avec toute une série de clusters étrangers des formations et c'est un mélange de B2B et de formation parce qu'en fait c'est sur un sujet on va faire 6 webinaires de 2 heures où à chaque fois on va présenter une technologie et on va aller très loin dans l'aspect chaîne de valeur et technologie mais aussi on va aller très loin dans l'aspect B2B. Donc le premier ce sera sur l'hydrogène qui commence ici dans 2 semaines, fait notamment animé par un cluster important en Italie, dans le nord de l'Italie. Et puis on continuera avec les communautés d'énergie qui est toute la série de séminaires est organisée par nous et Flux 50. Puis on partira sur les smart grids qui sont organisés par nos collègues de Tenerdis en France, du côté de Grenoble. Et on finira par les bâtiments intelligents. Donc voilà, là c'est vraiment plutôt pour rentrer. Donc c'est une fois par semaine, c'est des webinaires de 2 heures. Donc on va vraiment rentrer de manière très profonde dans les technologies. On va aussi passer sur la chaleur et faire le lien entre les communautés d'énergie renouvelable et les réseaux de chaleur. Donc, c'est un webinaire qu'on fera le 4 mars et donc le programme va vous arriver incessamment sous peu avec toute une série de partenaires aussi. Un tout petit mot avant de commencer cette réunion. Je pense que c'est en fait, il y a pas mal d'opportunités liées au sujet qui vont être abordés. Notamment, il y a 4 jours, on a vu, vous l'avez sûrement vu évidemment dans la presse, le plan de relance. Au niveau wallon, ça a été décidé. Vous avez tout ça est disponible via le cabinet Borsu et via leur site. Donc, vous pouvez trouver la formation. Et donc, vous avez les projets qui ont été sélectionnés.
Il y a encore un peu trop de budget quand on voit le budget total et le budget qui sera alloué. Il y a encore un peu trop de budget, donc il y a encore quelques allocations qui vont devoir et discussions qui vont être faites. Par contre, ce qui est assez intéressant à noter dans les sujets qui vont être abordés aujourd'hui, c'est notamment des fiches projets liées à l'industrie bas carbone où on retrouve les termes électrification, hydrogène et CO2, et aussi la filière hydrogène qui se retrouve un des plus grands secteurs sur lesquels la région Wallonne va investir via le plan de relance avec une fiche à 160 millions d'euros. Et on retrouve en fait une série de projets qui ont été proposés et notamment aussi le lien avec notre roadmap qu'on avait fait il y a 2 ans et qu'on va réactualiser et qui est repris dans cette fiche. Donc il y a beaucoup de travail qui va pouvoir être alimenté à travers ces différents plans de relance. Et donc j'invite les différents acteurs qui ont des solutions par rapport à ces secteurs-là, évidemment, de nous contacter. Parce qu'on sera directement concerné, en tout cas pour ces deux fiches-là, et aussi pour d'autres. Il y a notamment, si je reviens sur les autres, il y a évidemment tout ce qui est transition énergétique dans le bâtiment, infrastructure, et aussi pas mal d'investissements sur le site de la SICA, avec qui on a fait déjà beaucoup de collaborations, avec notamment un aspect transition énergétique dedans. Donc, si on reprend en fait les différents axes liés à la transition énergétique, c'est la majorité du plan de transition. Donc voilà, je pense que parler de ces technologies de CCU, d'hydrogène et des nouvelles molécules dans le secteur de l'énergie, c'est prioritaire actuellement pour la recherche, pour l'innovation et pour les projets pilotes. Et donc, je suis ravi d'accueillir pour ce début de programme Élodie Lecadre. Donc, les webinaires sont une manière aussi d'amener des orateurs qui sont un peu plus loin. Donc, Elodie est à Paris. Donc, on est ravis de la voir. Elle est Lead Scientific Advisor pour ENGIE et elle est co-auteur d'une étude qui s'appelle Emerging Sustainable Technology, que je trouve excessivement intéressante. Et elle va présenter une partie de cette étude dans le cadre de ce webinaire. Donc, Elodie, the floor is yours. Merci beaucoup Cédric. Donc, je vais commencer par partager mon écran. Est-ce que vous voyez bien mon écran? On te voit toujours. Ah, pardon, il y a un truc. Pardon, je recommence à manip. Et j'en profite pour dire que on va, en fonction des présentations, on a donc des sessions de questions-réponses qui peuvent être faites. Donc, je vous invite à utiliser le chat, donc la partie conversée en dessous. Et donc, voilà, mon collègue met bonjour à tous. Donc, vous pouvez aller utiliser ça pour mettre des questions par écrit. On en prendra. Éventuellement après chaque présentation. Excuse-moi, ça, les aléas du direct. Je redémarre ma présentation. Quand j'ai voulu partager mon écran, ça a fermé mon PowerPoint. Désolée. Pas de souci. Je vais où? Ça charge. Voilà, plus qu'à mettre en plein écran. C'est bon? Parfait. Oui, c'est très bien. Je te laisse la parole. Super. Génial. Eh bien, bonjour à tous. Donc, je suis très heureuse de vous présenter aujourd'hui un overview de notre document sur les technologies émergentes et sur l'édition 2020, coécrit avec Yann Mertens et l'équipe des chercheurs d'ENGIE Cryogène et la Borelec. Donc, avant de commencer, l'objectif de ce document, hein, il est triple. Il est de faire part, de vous partager les technologies que nous avons identifié qui pourraient avoir un impact aujourd'hui sur le secteur de l'énergie, un impact demain probablement, et puis des impacts directs ou indirects. Qui aurait pu prédire dans les années 90 qu'Internet aurait complètement bouleversé les métiers de l'énergie? Probablement peu de monde. Et l'idée est effectivement d'alerter les gens en interne chez ENGIE, puisque cette présentation est destinée aux priorités aux collaborateurs d'ENGIE, et en externe, puisque nous réalisons un document, une version externe pour
en fait, contribuer à l'accélération de la neutralité vers la neutralité carbone, qui est notre objectif principal, et en fait, inciter les gens à garder un œil ouvert sur cette nouvelle technologie. Et donc, je m'appelle Élodie Lecabre et je suis donc TechnoWatch, enfin, je réalise cette veille technologique avec mes collègues pour réaliser ce document chaque année en prévision d'alerter et d'ouvrir les collaborations sur ces nouveaux sujets. Élodie, juste un petit commentaire. Le slide ne se met pas bien. D'accord. Ouais, alors attends, je recommence. Je ne sais pas pourquoi. On va recommencer. C'est parce qu'il y a les bandes noires, peut-être que c'est. Ah, c'est mieux? Ah, voilà, ça c'est parfait, nickel. Ok. Maintenant, il faudrait que ça fonctionne. Hop. Donc, nous avons identifié 10 technologies en 2020. Il y en a bien d'autres, bien évidemment, mais celle-ci est la sélection que nous pensions la plus pertinente pour de ce que nous avons pu observer l'année dernière. Donc, on a identifié le Direct Air Capture, le Pumped Hydro Compressed Air, le Small Modular Reactor Nuclear, Small Modular Nuclear, le Cybersécurité et le Biomimétisme, Sustainable Catalyst as Energy Transition Enablers, le Power to Protein, la gasification hydrothermale des déchets et de la biomasse, la pyrogasification des déchets, et notamment des solid recovered fuel, et puis les plateformes multi-purpose offshore et le green ammonia et les green fertilizer. Je vais faire un focus aujourd'hui sur trois technologies qui sont en lien fort avec la thématique de notre réunion aujourd'hui, à savoir le carbon capture et les nouvelles molécules de la transition énergétique. Et donc, je vais vous présenter comment fonctionnent trois technologies. Les Direct Air Capture, les Sustainable Catalyst et Power to Protein, les changes et les défis pour faire en sorte qu'elles émergent dans les 5 à 10 prochaines années et leur positionnement par rapport à donc, leurs concurrents et l'environnement dans lequel elles évoluent. C'est la structure que nous avons, que nous suivons pour chacune des présentations de ces technologies-là, et elles permettent de donner en fait, un aperçu et inviter les lecteurs à approfondir ce sujet avec nous ou avec d'autres de manière à les faire émerger dans les 5 à 10 prochaines années. Donc, commençons par le Direct Air Capture pour une économie circulaire en carbone. Donc, le carbone capture, donc la capture du CO2 de l'air, elle s'invite une réalité. D'un point de vue technologique, nous pensons que c'est une réalité. Le carbone, le CO2 qui est présent dans l'air, comme vous le savez, nous sommes arrivés à un taux, une concentration de CO2 dans l'atmosphère qui arrive à ses limites, qui générait des conséquences trop importantes sur le changement climatique. Et il est temps, largement temps, de contribuer à diminuer ces émissions, mais aussi au maximum en capter, puisque tout ce que nous pourrons capter sera toujours ça de prix pour éviter les catastrophes. Et donc, il existe des mécanismes, des technologies, notamment basées sur des procédés chimiques et des réactions acido-basiques, qui permet de capter ce CO2 de l'air à la manière d'un système respiratoire ou de la photosynthèse. Donc ici, je vous présente une analogie de système de direct air capture avec la photosynthèse. Vous avez dans les deux cas un système. Le système, dans le cas de la photosynthèse, le système est donc l'arbre, là où circulera l'air, où le mouvement de l'air est opéré pour mettre en contact l'air avec les feuilles. Et dans le cadre du direct air capture, le système, c'est donc des ventilateurs qui font ventiler l'air, qui le font passer à travers, pour les mettre en contact avec l'absorbant. Dans les deux cas, nous avons un procédé. Le procédé, dans le cadre du végétal, est la photosynthèse qui permet de capter des gaz, capturer des gaz et d'en émettre. Donc, capter du CO2, émettre de l'oxygène et fabriquer d'autres molécules. Dans le cadre du procédé du direct air capture, donc on a un procédé cyclique qui permet d'absorber de l'absorption et de la désorption par de la chaleur. Et le matériel qui sert à faire cette absorption du CO2, dans le cas de la photosynthèse, c'est la chlorophylle, où s'opère le procédé chimique. Et dans le direct air capture, c'est ce qu'on appelle un solvant ou un absorbant solide, le contacteur. Nous avons deux types de technologies. Une technologie, donc, comme vous voyez à droite, qui se base sur des absorbants liquides où la régénération se fait à haute température, et l'autre qui se fait avec des absorbants solides avec une régénération à basse température.
Et dans les deux cas, donc, on peut être soit avec des absorbants à base d'amine ou qui ne sont pas à base d'amine. Et donc, on constate que les principales entreprises qui se développent dans le directeur capture, en tout cas qui émergent en ce moment, se positionnent sur une technologie à basse température, notamment pour des questions de consommation énergétique. En effet, on va voir dans les avantages que l'énergie est un point clé du développement de ces technologies. Mais la première question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi capturer autant du CO2 de l'air alors qu'il y a des zones de concentration de CO2, comme vous le savez, lors de la combustion notamment des énergies fossiles dans les industries lourdes. La réponse peut être très simple. Déjà, la première, c'est que tout le CO2 étant un gaz pur, effectivement, on peut capter ce qui se passe à des zones bien de forte concentration. Néanmoins, il y a quand même un besoin de capter des sources de CO2 décentralisées, notamment celles issues du transport. Et comme nous avons un stock de CO2 dans l'atmosphère, c'est le directeur capture viendra contribuer à capter ce CO2 en parallèle, en addition de ces de ce stockage, de ce captage du carbone à l'issue des cheminées. Donc, ça offre d'autres intérêts, c'est qu'on peut travailler sur des sites donc décentralisés qui peuvent offrir une possibilité de produire l'électricité renouvelable à bas coût et aussi une chaleur à faible coût. Et donc, si on regarde le schéma en bas donc du slide, on peut constater aussi même que si on stocke ce CO2 une fois qu'on l'a capté dans des zones acrifères, on peut stocker ce carbone et en faire du coup une technologie négative en émission de carbone. Et l'avantage aussi, c'est que c'est modulaire, c'est une solution modulaire. Comme vous pouvez le voir, ce sont des panneaux de 6 mètres de haut sur 200 mètres de haut. Il en faut effectivement plusieurs pour capter l'équivalent d'une grande tour, comme on peut le voir à droite, en bas à droite, qui peut capter jusqu'à 1,4 million de tonnes de CO2 par an. Là, il en faudrait 14 unités, donc 14 panneaux de 6 mètres de haut sur 200 mètres de large. Donc, il faut une surface importante. C'est pour ça que nous avons un challenge pour le développement de cette technologie. Comme nous sommes sur des dilutions très faibles, il nous faut beaucoup de panneaux et donc on a une empreinte au sol assez conséquente, donc un coût aussi pour la consommation d'énergie qui en résulte pour capter ce CO2. Et donc, les challenges seront donc d'optimiser la capacité des contacteurs à capter au maximum, à augmenter le rendement de captation du CO2, et puis de récupérer au maximum l'énergie pour pouvoir diminuer la consommation totale du procédé. Le jeu de notre document, c'est de préciser clairement que ces technologies que nous avons dans notre document présentent un intérêt dans les 5 à 10 prochaines années. Et pourquoi le directeur capture en fait partie? C'est parce qu'on pense que dans les 5, autour de, des années 2000, enfin, autour de 5 prochaines années, nous arriverons à un stade de démonstration de ces technologies qui permettrait de passer à une phase commerciale dans une petite dizaine d'années maintenant. Et donc, étant donné les enjeux et l'ampleur de la question au niveau mondial, nous pensons que nous avons ici une technologie qui aura un déploiement assez intéressant à suivre dans les prochaines années. Sans transition aucune, puisque c'est une compilation de technologies que nous identifions, néanmoins, il y a un lien avec la technologie d'avant, puisque nous allons aborder maintenant les catalyseurs durables pour la transition, pour une transition énergétique aussi, pour faciliter la transition énergétique. Le captage du CO2 est entre autres réalisé pour donc décarboner, enfin diminuer la quantité de carbone dans l'atmosphère, mais aussi pour servir à la fabrication d'autres molécules, pour notamment faire du power to molécule. Et donc les catalyseurs vont jouer un rôle crucial dans la transition énergétique. Je pense que je ne vous apprends rien, nous sommes dans une communauté d'experts aujourd'hui ce matin. Et donc, les catalyseurs, tout comme l'énergie, sont nécessaires pour convertir les molécules stables thermodynamiquement comme l'eau et le CO2. Et donc, les catalyseurs sont un enjeu pour nos filières énergétiques. Leur performance est liée à la composition, notamment à la nature du métal qui la constitue,
à la, sa structure, sa morphologie, sa microstructure, son type et la nature du support où elle va opérer et la manière dont va se faire la réaction. Et chaque catalyseur est spécifique à la production de chaque produit finaux. Donc ici, on vous a mis quelques exemples, probablement que vous connaissez très bien, comme l'électrolyse de l'eau, comme l'hydrogénation du CO2 pour la production de méthanol, ou encore les conversions biocatalytiques. Donc à chaque fois, nous avons un catalyseur différent, constitué d'un métal souvent donc du groupe platinium. Et donc l'enjeu, si on envisage une production massive, par exemple d'hydrogène à partir d'électrolyse de l'eau, c'est de travailler avec des catalyseurs qui soient durables, autant que faire se peut, de manière à avoir une filière qui, elle, soit aussi durable dans le temps et ne vienne pas avoir des impacts environnementaux sur un autre domaine. Donc aujourd'hui, comme je vous le disais, ce sont les catalyseurs du groupe métal platinium qui dominent ces applications. Et donc le challenge, c'est de les remplacer avec d'autres métaux. Notamment parce qu'on peut voir dans le graphique en bas à gauche que ces catalyseurs représentent un coût non négligeable de la production et de la synthèse en question, enfin des synthèses. Ici, vous pouvez le voir, donc c'est la bande en orange. Et donc, quel que soit le rendement, le catalyseur constitue une part importante du coût total du système de production. Et donc, il y a aujourd'hui beaucoup de moyens scientifiques, beaucoup d'efforts scientifiques ont été mis sur le déploiement de ces catalyseurs à faible concentration en catalyseur constitué d'un métal de ce groupe platinium, voire même qui ne sont pas composés de ces métaux. Et l'idée donc le développement de ces nouveaux matériaux catalytiques se fait notamment avec une modification de la composition et de sa microstructure. Donc, on va donc l'idéal de cette tendance, là on est plus sur une tendance que sur une technologie, c'est de passer sur un modèle où nous avons des catalyseurs conventionnels qui sont abondants, des matériaux qui sont peu chers, le fer, le nickel, le cuivre, mais qui sont des réactions qui reposent sur des énergies fossiles avec des procédés qui sont peu flexibles et une activité catalytique assez faible. Donc l'idée serait de travailler sur des catalyseurs alternatifs, comme le ruthénium, le rhodium ou le palladium, mais qui sont rares et chers. Donc certes, on a des meilleurs rendements, une plus grande flexibilité, on peut utiliser des énergies renouvelables, donc on a déjà amélioré le système. Mais l'objectif, c'est de tendre vraiment vers des catalyseurs qui n'utilisent plus ces métaux rares, comme le lithium, le potassium, le césium, le sodium. Donc on n'y est pas encore, c'est là où se passent aujourd'hui les activités, les développements scientifiques de manière à conduire une transition énergétique durable. Beaucoup d'espoir repose aussi sur la biocatalyse, puisque l'approche des biocatalyseurs est intéressante, puisque ça présente une grande flexibilité. On peut travailler à température ambiante et à pression ambiante, et on peut une grande sélectivité, et puis on peut aussi modifier ces catalyseurs. Et puis, ce sont des catalyseurs qui sont biodégradables. Cependant, on a quand même des challenges, sinon ce serait trop simple, le recyclage de ces biocatalyseurs, les adapter aux différents procédés que nous voulons développer. Et puis, on peut voir que chez nous, notamment chez ENGIE, on a mis un code accélérateur sur ces projets, notamment avec des projets comme North Sea Methanol, Power to Methanol ou Power to Gas à Iconé, qui permettent l'étude de ces catalyseurs pour rendre plus durable ces technologies-là. Le troisième thématique que je voulais vous présenter ce matin, toujours relative à l'usage d'une électricité renouvelable et à la valorisation d'un carbone issu du captage de CO2 des procédés industriels notamment ou de l'air, c'est le power to protein, qui consiste donc à la production de matériaux riches en protéines
issus de cultures bactériennes et qui utilisent en fait l'hydrogène comme un vecteur énergétique, comme une source d'énergie. On a tous besoin d'énergie pour fabriquer des protéines, c'est le principe de base. Et donc, ces bactéries utilisent de l'hydrogène. Leur joli petit nom, Cupravidus necator, ou Rhodococcus opacus ou Hydrogenobacter thermophilus, sont ces bactéries qui ont la capacité d'oxyder l'hydrogène en conditions anaérobiques, donc sans oxygène. Et donc, cet hydrogène est nécessaire pour leur métabolisme et pour accumuler une forte concentration de protéines dans leurs cellules. Et donc, pour réaliser cette réaction, nous avons besoin de CO2 que nous pouvons capter à différents endroits, d'où l'intérêt aussi du direct air capture, de l'énergie renouvelable pour réaliser l'électrolyse de l'eau et obtenir notre hydrogène qui est le vecteur énergétique nécessaire au métabolisme de ces bactéries, de ces micro-organismes. Et donc, nous avons aussi besoin d'azote, d'azote qui viendra, qui est issu notamment, qui peut venir d'un procédé à Burbosch, mais qui peut venir aussi notamment, par exemple, des eaux usées, où on a une forte concentration de NH4. Ces bactéries concentrent la production de protéines et puis donc on aura besoin effectivement de les pré-traiter afin d'en extraire ces protéines qui serviront notamment à l'alimentation humaine dans certaines conditions, et je l'espère pas tout de suite parce que on est tous encore à mon avis très bien contents de pouvoir manger de la viande, mais il faut quand même être réaliste sur le fait que nous sommes de plus en plus nombreux à aspirer à manger des protéines régulièrement. Et donc, on peut imaginer que ça viendrait compléter notre alimentation. Et on peut déjà aussi, on le voit déjà, apparaître ces procédés pour des usages de compléments alimentaires, de compléments de protéines pour l'élevage. Pour l'élevage, l'aquaculture et puis les élevages classiques. Ça reste quand même à démontrer d'un point de vue économique et d'un point de vue social. Comparé à la production de protéines végétales ou animales, on y voit un intérêt notamment parce que l'efficacité de la production de protéines par les animaux est donc plus faible comparé à au rendement de ce procédé de poire tout protéines. Et puis ça présente des intérêts en termes de consommation d'eau, de gaz à effet de serre et puis d'empreinte au sol. Donc, ça coche quelques cases de problématiques auxquelles nous faisons malheureusement face de plus en plus. Et donc, aujourd'hui, on voit plus cette technologie-là être utilisée pour des conditions extrêmes, en attendant que ça se développe peut-être dans d'autres secteurs. Et ça a notamment été développé par la NASA. Et ça peut représenter on pense que ça peut représenter un intérêt pour les voyages de longue distance, puisque lors d'une mission spatiale, vous avez évidemment du CO2, qui résulte de la respiration de l'astronaute. Vous aurez, vous pourrez produire de l'hydrogène avec l'énergie solaire si on a suffisamment d'eau. Et puis, nous avons l'azote issu de l'urée des astronautes potentiellement. Et donc, là, nous avons l'ensemble des ingrédients pour produire ces fameuses protéines consommables plus tard. Donc, le challenge reste entier pour rendre économiquement intéressant ces filières-là. Et puis, elle se base aussi sur des énergies renouvelables. On va avoir forcément beaucoup de monde qui sont intéressés par ces énergies renouvelables. Et puis, l'acceptation sociale de consommer ces nouvelles protéines qui sont issues de micro-organismes. On voit quand même un écosystème très riche autour de ces technologies, notamment plusieurs startups avec comme Deep Branch avec qui nous travaillons. Et nous voyons apparaître ils sont présents dans cet écosystème du développement des poires tout protéines, les grands oil and gas industries qui s'intéressent à ces solutions, notamment puisque nous avons une consommation d'énergie et qui viennent se coupler au carbone qui pourrait être capté de leurs unités. Enfin, je vais essayer d'être bref sur ce slide, juste pour vous faire sentir qu'en fait, il y a une grande activité dans le domaine des biotechnologies qui est liée notamment à des avancées notables
en termes de séquençage de l'ADN. Donc, on a un accès important aux informations du matériel génétique et donc qui nous permet de faire des prouesses dans le domaine des biotechnologies, que l'intelligence artificielle permet en plus de ça de capter et de manager l'ensemble de ces données auxquelles nous avons accès. Et puis, on est capable même, nous avons eu un prix Nobel qui, cette année, un prix Nobel français qui a travaillé sur un outil d'identification et de déchiffrage des mécanismes moléculaires des bactéries. Et donc, c'est une révolution dans le domaine du génie génétique et puis qui nous permet effectivement d'appréhender d'autant mieux ces développements. Donc, en conclusion, comme vous pouvez le voir, ce sont des technologies qui sont riches, qui présentent des gros potentiels. Bien évidemment, sur le temps qui m'est imparti, je n'ai pu vous donner qu'un bref aperçu de leur potentiel. Nous pensons que pour atteindre la neutralité carbone à horizon 2050, ces technologies vont faire partie nécessairement du panel, mais ne seront pas uniques. Il faudra beaucoup plus et surtout, il faudra accélérer l'adoption de ces technologies pour faire en sorte que nous puissions espérer raisonnablement d'atteindre cette neutralité à horizon 2050. Et l'AIE le rappelle notamment avec un graphique qui présente la fréquence à laquelle nous devrions installer, par exemple, des fermes photovoltaïques tous les deux jours, le plus grand parc mondial, pour atteindre cette neutralité carbone à horizon 2050. Et donc, c'est une invitation à aller vite et à collaborer que nous faisons ce document-là. Et nous invitons bien évidemment à nous rejoindre dans cette aventure. Et donc, ce document est disponible sur Internet via le lien ci-dessous. Je vais le mettre dans le chat en parallèle. Et donc, n'hésitez pas à nous contacter. Yann Mertens, donc, notre directeur scientifique pour qui je travaille, et puis moi-même, nous serons ravis d'échanger sur les technologies que vous identifiez, que nous pourrions potentiellement mettre dans les éditions prochaines, voire même monter des projets ensemble sur ces technologies-là. Merci. Je te laisse conclure, peut-être. Oui, pardon. Non, c'est très bien. Merci, Elodie. C'est très intéressant. D'ailleurs, j'invite vraiment les différents participants à lire l'étude complète. D'ailleurs, l'introduction, elle est excessivement, je trouve, intéressante. On reprend les données de l'IEA et qui montrent que 50% presque des technologies qui sont à mettre en œuvre la transition climatique, elles ne sont pas encore matures. Donc, on est vraiment en termes pilote et on va devoir accélérer très, très vite. Et quand on reprend les 10 technologies, c'est vrai qu'on fait, en fait, nous, on fait beaucoup de liens avec le travail qu'on fait au sein des clusters et des pôles. Si je prends, par exemple, dans notre domaine, le pompage hydro, il y a des projets assez intéressants qui se font en Wallonie sur le petit pompage hydro, notamment avec un projet qui a été validé en pilote avec Tractebel. On voit aussi, par exemple, une envie d'industriels et aussi de s'entraider, de travailler et d'aller plus loin sur la pyrogasification des déchets, vraiment le waste to fuel. C'est un des aspects qui est abordé et qui, je trouve, est très, très important dans l'étude. L'ammoniac vert, évidemment, ça nous concerne aussi puisqu'il y a des usines qui sont en Wallonie. Donc, on voit que ces sujets-là, qui sont des sujets mondiaux, sont intéressants. Moi, j'ai une question. Donc, comme actuellement, il n'y a pas encore de questions sur le chat, donc je vais inviter les gens à poser des questions. On pourra prendre éventuellement aussi des questions après la présentation d'Yann pour Elodie aussi. Mais j'en ai une par rapport aux filières qui ont été analysées dans les 10 filières. Est-ce qu'il y a des filières sur lesquelles finalement, je vais mettre la France et la Belgique, parce que comme ça on fait. Mais est-ce qu'on a certaines filières sur lesquelles on a une avance ou en tout cas sur lesquelles on peut un peu. Parce que ici, c'est des technologies mondiales. Parfois, on est en retard sur certaines de celles-là. On voit que les brevets, par exemple, sont totalement américains. Et donc, cette analyse-là, d'après vous, il y a certaines filières sur lesquelles on peut être fort, ou on est plus fort actuellement. Tu veux dire en Europe, Oui, en Europe, Belgique. France-Belgique, mais peut-être l'Europe et peut-être France-Belgique. Oui. Typiquement, pour celle que je n'ai pas présentée, par exemple, sur la pyrogasification, je pense qu'on est totalement en pole position. En Europe, il y a eu d'ailleurs les premières unités de pyrogasification, mais là, dans le Emerging Technology, on parlait de la pyrogasification de déchets, de déchets qui sont en plus de la biomasse, sur lequel, là, je pense qu'on est
on n'a pas à rougir, on est en bonne position. Sur la gazification hydrothermale, pareil. Sur le power to protein, on travaille notamment avec, si je ne me trompe pas, Yann, tu me corriges, mais les deux entreprises sont européennes, Avecom et Deep Branch. Et sur le direct air capture, on est sur une technologie mondiale. Donc, on n'a pas forcément plus d'avance, peut-être. En retard non plus. Quant à les catalyseurs, je pense qu'on a une bonne dynamique et on a une bonne dynamique sur les projets qui ont été lancés en Europe. Je pense que on a une conscience environnementale assez forte en Europe, notamment avec nos objectifs de neutralité carbone à horizon 2050. Je pense que là-dessus, les financements européens vont en faveur de ces développements, de ces projets donc, que j'ai mentionnés tout à l'heure. Que dire de plus sur le nucléaire, je dirais que c'est plutôt, on n'a pas forcément plus d'avance qu'ailleurs sur le small modular nucléaire. On a un développement. Alors, c'est vrai que vous retrouverez ces cartes-là. On a fait un mapping des solutions des développements des small modular nucléaires dans le document. Où on présente, pareil pour la pyrogasification, normalement, on a mis la map monde avec l'ensemble des projets. Comme c'est des technologies émergentes, on aura quand même, le premier, on a une course à la commercialisation quand même, et au succès de cette commercialisation. Et là-dessus, il y a quand même un enjeu. Et j'espère qu'effectivement, on arrivera à se positionner, pour faire en sorte que cela fonctionne en Europe et que ce soit déployé ensuite ailleurs. Ok, oui, très bien. Justement, une question liée sur les catalyseurs. Oui. Sodium et potassium pourraient-ils être économiquement récupérés des déchets verriers? Donc, plutôt sur le... C'est précis comme question. J'ai pas la réponse, mais je vais me renseigner, je reviendrai vers vous parce que je sais pas. Il y a sûrement un potentiel vu la question et la personne qui la pose, il y a sûrement un potentiel. D'accord. Ok. Voilà. Un tout grand merci Elodie. N'hésitez pas à continuer à poser des questions. On pourra revenir sur Elodie sûrement après la présentation de Yann. Donc on avait eu la chance l'année passée d'avoir une présentation justement de Yann. C'était virtuel. Ça commençait déjà. Ça fait la deuxième fois qu'on peut avoir Yann ici en tant qu'orateur et on est content. J'espère que la prochaine fois qu'on pourra t'inviter en présentiel, Yann. Yann Mertens est le Chief Science Officer chez Engie. Et donc, on va rentrer vraiment sur les molécules, puisque bon, j'en ai repris pour l'invitation de ce webinaire un texte qui a été écrit par justement Yann Mertens et Ronnie Bellman, ce qui montre que l'offre énergétique ne peut pas se baser que sur l'électricité, mais on a besoin de molécules, hydrogène, méthane, éthanol. Je pense qu'on va rentrer plus dans cette filière avec Yann. Donc, je te laisse la parole, Yann. Merci Cédric. Je vais peut-être le faire en anglais, si ça va. Yeah. For sure, it's easier for Yann to put. He's speaking French very good, but for the presentation, it's technical. It's easier to make in English. No problem. Thank you, Cédric. First of all, I think this is a great initiative taken by Tweet and Greenwind, because something that we see happening today is that this line between the energy cluster, so the Tweed and everything what's happening in chemistry, it's actually fading away. Everything we're doing today, and especially on the topics that are presented today, but even further, it's becoming more and more from more and more chemistry, let's say. Everything we do on photovoltaics is chemistry, battery is electrochemistry, hydrogen chemistry, CCU chemistry, and even biotech, as Elodie presented. So I think this line between the different clusters is slowly fade, not even slowly, is fading away, actually. And so I think this is a great initiative of this inter-clusters presentation. And I apologize because I wrote here cluster tweet presentation. I should have written inter-cluster tweet and Greenwind presentation. Just to start off with, I think this is a great idea, and we should do more of these, I think. Okay,
I'll try to start with the presentation. The title is a little bit provocative, although I guess in this audience with a lot of experts, this is far less provocative. And by the end of the presentation, it shouldn't be provocative at all. But the title reads, "Why the Carbon Neutral Energy Transition Will Actually Imply the Use of Lots of Carbon." I won't bother you too much with ENGIE. I will show one slide on ENGIE Research, since I think we're a well-kept secret within ENGIE and even further so outside ENGIE. Then I'll present the three pathways towards this carbon neutrality that we think makes sense, to end up with a short conclusion and leave more time for a discussion. So ENGIE Research, we've got about 900 researchers, two major labs, Labrelais close to Brussels, and then Crigène close to Paris. We're organized in thematics, so 22 thematic labs. So within one lab, you have people from different research lab around the world, so from geographical labs that collaborate on the same topic. So a nice example, for example, is the solar lab, where we have the lead at Labrelais, but there's people also from our French research center, from a research center in Chile, and even from Singapore, collaborating on the same topic of solar. I will let you discover the others. Just the two that are related to today are quite interesting. We have the hydrogen lab, which has its the main or most people in close to Paris, actually. And we also have a lab, which is quite interesting, which is called CO2 as a Research, which has most of the people working in Labrelais. And of course, the line between those two is also fading away. This was the slide that Cédric was referring to, and which is also in our in the introduction. So I took it from the IEA Energy Technology Perspective, published in September, where they show that if we want to take this serious and we want to reach our net zero emissions by 2070, well, the technologies that we will need to reach this are actually today only for 25% mature. So this means that 75% of the technologies that we need to reach this net zero carbon emissions by 2070 actually are still out there in labs, also in demos, in prototypes. But so there's an enormous challenge in scaling these up, and we need to collaborate on this as fast as possible. And so this is where, especially for CCU, batteries and hydrogen, actually Fatih Bilal said that these are today where PV was 10 years ago, and we really need to increase our efforts in it and collaborate it and need some government support as well to scale them up soon. If you look at the heavy industry and long distance transport, there it's even worse, let's say, or better for us as researchers. There far less technologies are today mature. Many more are still in the labs. So this slide does not say that we need to build technologies from scratch. A lot of them exist already, but they're just not at the right scale to be deployed yet today. So this is, and it's also more the objective of the document that Elodie presented, that we really need to collaborate beyond industries, borders, countries, companies, and scale these technologies up as soon as possible if we really take this carbon neutrality serious by 2050 or 2070. And so this is what we also try to do within ENGIE Research. So we're not, although we do sometimes develop technologies from scratch, like this one is a nice one where we're actually working on solar panels, so photoelectrochemical panels packed, so immediately photons going to hydrogen. So that is something we've developed from scratch. And also the biomass gasification are two technologies typically that we have taken from very, very low TRL. But most of the work we do is actually on trying to upscale the existing technologies that are today in labs or pilots and bring them as soon as possible to our business units. And I will present a few of them later, like power to methane, which is relevant for the topic of today, but I'll let you discover some of the others that we're actually working on. Voila, three pathways towards this carbon neutrality. I think the first one, and probably the obvious one, but also the most important one, I still think, and the order of these three pathways is important. So I think the first thing we should do, and we are doing, but we should increase doing, I guess, is working on this energy efficiency and thinking much more circular, where waste actually becomes a feedstock.
And what I'm presenting here is anaerobic digestion, so biogas. This is not emerging new whatsoever. However, I do think it's not deployed at the scale that it could be deployed. We should really take this or bring it to the market in a lot more places. Since especially if you do it using waste, it actually makes a lot of sense. And it's for me one of the perfect examples of not only energy efficiency but of this circular thinking. So that's why I decided to put it in this presentation. So after having reduced our energy consumption and thinking much more circular, of course, and this is what everybody's talking about, we should electrify everything, or at least as much as possible, far beyond the electrical cars. I think there is an agreement on this, and of course also we agree very, very much on this, but just showing that it will not be enough. We will continue to need, let's call them molecules. And this is a slide from the same presentation from the IEA Energy Technology Perspectives in 2020, where they show that we need to get rid first of this 36 gigaton of CO2 that we're emitting today. By 2070, we want to reach net zero. And so these are the different sectors that will contribute to this reduction. And you can see that the most or the highest effort is actually expected from power generation. And you can also see that this is already happening today. I mean, we are quite lucky as electricity company out there to say, we have PV, we have wind, it is becoming cheaper, or it is cheaper than fossil. So decarbonizing or making carbon neutral, better said, our electricity is happening, is the easiest, and of course is crucial, but it will only account for about 40%. If you look at the industry, for example, you see this takes off a little bit slower, well, not a little bit, quite a little bit slower, because as shown before, a lot of the technologies like hydrogen and CCUS are not mature, are not ready at the right scale today, so it will kick off a little bit later, but its importance will be as crucial as making our electricity green. So this is why I included this slide. And again, Fatih Birol said, to do this, molecules will be needed, and CCU and hydrogen will play an important role. On top of course, trying to get our electricity and electrifying as much as possible. And then I added this slide as well, because even if we would start building new facilities today, new clean, green, carbon neutral facilities, it will not be enough. We will need to do innovation also in our existing assets. And this is the case for an example for the steel making, for example. If you look worldwide, about 90% or 95% of our assets, of our factories, are today not even reached half of their life. So it's clear that building just new iron and steel production facilities, green ones, carbon neutral ones, will not be enough. We will need to do something to retrofit using emerging technologies in our existing assets. And there again, molecules will be needed, and CCU and hydrogen will make a lot of sense, on top of course, electrifying as much as possible in the first place. This is a Belgian study which I took from the Belgian Federal Planning Bureau, published end of last year, I think, which is quite interesting, because they present two scenarios. First of all, both scenarios lead to carbon neutrality in Belgium by 2050. But they have one scenario where they really electrify everything which is technically electrifiable, let's say. So really a deep electrification everywhere. And then they have a more diversified scenario. In fact, for both scenarios, if you look at the power demand by 2050 for Belgium, well, it increases by a factor 3 or 4. And the difference is not that big, actually, whether you go take the diversified or the deep electrification. So that is the first message. And then the second message, which I think is equally interesting from this study, is that even in their deep electrification, if you look at all what is green here, it's actually molecules, and this is power to X. So we will electrify a lot, a huge amount, and but not everything. You will see this green part is still power to X for fuel cells, for industries, for and remainder, but it doesn't really matter. What is clear is that we will need molecules on top of the direct use of our electricity. So after having decreased our
our energy consumption, increase energy efficiency, and in fact, by electrifying processes, in many cases, you also increase the energy efficiency. Let's take the car of the example of an electrical car. In fact, an electrical car is much more energy efficient, if you wish, as its fossil alternative. So by electrifying already a lot of, we will also increase this energy efficiency, but reducing energy consumption. Secondly, the order is important, as I said, trying to electrify as much as possible. And then clearly, I think everybody agrees that we will need molecules, and there, of course, green hydrogen and synthetic hydrocarbons make a lot of sense. And the easiest or most obvious solution or molecule is, of course, hydrogen. And I won't go into details, but of course, we can have green hydrogen from electrolysis. We can have blue hydrogen where we store away the CO2 after the SMR. We can even have, turquoise hydrogen, I think it's referred to, where you have your fixed carbon. And so we can have different ways of making hydrogen in a low carbon way, of course. And I think we should. And hydrogen is a great molecule with a lot of potential, but it does have one big challenge, which is that it has a very low energy density. And so it's extremely hard and expensive to store and to move it around. I'll let you have a look at this picture, but if you want to transport 10 kilowatt hour of energy, you can do it in 1 liter of diesel. If you go to hydrogen solutions, even compressing it to 350 bar, you will still need to move around about 13 liters of hydrogen. If you compress it to 700 bar, it's still about 7 times more than what you would need to transport if you were transporting diesel. And even liquefying it, making it liquid, which means you have to go down to minus 250 degrees, you would still need to transport about 4 times the same volume. And going down to minus 250 degrees with the current technologies is very energy intensive. And we lose up to 35-40% of the energy content in our hydrogen to make it liquid. And even then, we still need to transport 4 times more. So things like these hydrocarbons or ammonia make a lot, dare to say, more sense even to transport energy over distance or to store it. And so that's why we think CCU makes a lot of sense. And we will need to, on top of the hydrogen, of course, because if we have hydrogen and we can use it directly at the place where it's produced, of course, it makes sense to do so, because in every conversion step, you lose a little bit of efficiency. But for many places where we think we will need to move energy over distance, probably going to hydrocarbons or an ammonia makes a lot of sense. And this is, again, not just Engie saying this. This is a slide that I took from the SRBE conference a few weeks ago, where actually Siemens also said that if you were to power your big machine, big combined cycle gas turbine, 870 megawatt with hydrogen, well, you would empty in 1 hour 4 kilometers of 1.4 meter diameter pipeline, which is enormous. In one day, you would empty 4 times the biggest tanks of liquid hydrogen that exist today, which are the NASA tanks. You would empty 4 of those in one day. You would empty in 1 week 9 times the biggest salt cavern that actually stores hydrogen today. So even Siemens thinks that probably 100% hydrogen combustion in a gas turbine is not practically feasible, not to say impossible. And so that's why Siemens, for example, is looking at ammonia combustion in their gas turbines. Again, I said this before, we will continue to need, and the import study presented last week clearly confirms this, we will need to continue transporting energy from where people or where the energy is cheap and abundant to places where people live. So this is where most of the people live worldwide. And pitiful enough, it doesn't really coincide with the areas where today we have access to, so the areas in red, where PV electricity and thus hydrogen is cheap and abundant. So we will need to continue to move from these areas to these areas where you see the circles where most of the people live. And for doing so, again, hydrogen is certainly not the most efficient molecule, and hydrocarbons and other things like ammonia will be part of the solution.
This is from a German study. Same thing, it published also very in December last year, so very new study as well. How this is for a global study for all international countries. Two takeaway messages, I think, from their study. So it's done by the German, the Deutsche Energieagentur, so German energy agency. First message, I think it will not be one molecule. It will be and hydrogen and methanol and ammonia and Fischer-Tropsch fuels and methane. So I think this is quite an interesting, and so we should stop opposing these molecules and we should say which molecule makes most sense, let's say. But it's clear, and this study confirms it, that we should not put all our efforts on one molecule, and different molecules make more sense for different applications and in different regions. So this was quite interesting from the study, I thought. And equally interesting is that they believe that our CO2 that we will need to make all these synthetic molecules, by 2040, the major technology to capture our CO2 will actually be the direct air capture that Elodie presented before. So this is also an interesting outcome of the study, let's say, and this should help convince people that direct air capture, although thermodynamically and financially expensive, in future will make sense, and I think we are convinced of that. And this is why these e-fuels are high on our agenda and many BUs. So we have us, the academic nerds, of course, like looking at new things. And these are all our R&D projects that we're working on, and power to protein was presented by Elodie before, but there's many more. And we have, together with our BUs, we've got pilot projects. We've got the one in methanol in Antwerp, then two ones for going to methane actually in France. One is using a biotechnology, so a bacteria to convert CO2 and hydrogen into methane. And one is the thermocatalytic, so the catalytic process that Elodie also talked about before. Since also there, for us, it's not very clear yet which pathway makes most sense. And having asked that question, I already realized that it doesn't really make a lot of sense to ask that question, because I think, again, depending on the conditions and the area where you are, it will probably, both technologies will coexist and will have sense in different places where they will be installed. The bioconvergent has advantages, lower temperatures, probably much more or less sensitive to impurities in your CO2 and hydrogen. Of course, thermocatalytic hydrogenation, temperatures are a lot higher, kinetics are better, probably easier to upscale. But again, both will, I think, coexist, and that's why we are testing all of them. And then these are the larger ones, and in particular, this one was referred to before by Cédric. There is one plant in Charleroi, where it will also be a bioconvergent going into methane, but there's also one in Ghent and in Holland. So conclusion, I think these three pathways are important, and the order as well. So energy efficiency and circular economy, number one, electrify as much as possible, please. And then third one, of course, we will need molecules. If and where we can, hydrogen makes a lot of sense and we should use it directly. Turning it into another molecule like synthetic hydrocarbons or methanol or methane or ammonia makes it possible to transport this energy, and we will need to transport energy in the future, even more so, I think, than we do today. And we have the infrastructure to do so, which is another advantage that I haven't highlighted here. And just this last slide to convince people that CCU, even if you do it on fossil CO2 sources, actually makes sense. I'll take one last minute to explain this. So if you look at our current system, let's say we have two processes where we need energy. Let's say this is a methane. We need gas in this process and in this process. So we take two methanes out of the ground, if you wish, two CO2s, and we burn it. And this is what we're actually doing today. If we could already take only one out of the ground, and then capture it, and together with our green hydrogen or low carbon energy, turn it into an e-fuel and use this one in the second process, well, we have already succeeded in leaving one into the ground, meaning that although this one is still
just delayed and it's still emitted, at least one stays in the ground and is not emitted. So we have won, if you wish, 50% of the CO2 emissions. So we've reduced the CO2 emissions by 50%, even though we're still capturing the CO2 from a fossil-based process. So CCU, even using fossil CO2, I believe it makes sense. But of course, this should be our final aim and objective, but to reach this really carbon neutrality, direct air capture or biogenic CO2 capture from biomass installation is the only way in which we can actually have the circle perfectly closed. And of course, this should be our ambition in the longer term. But we should not stop projects in the meantime on this, because it already helps us on our way to this. So carbon, I'm sure now that the title is no longer provocative whatsoever, will play an important role in our carbon neutral energy transition, we believe. And I will stop here and maybe see if there is some questions or time left for questions, Cédric. Yes, thank you. Thank you, Jan. Very interesting. There is two interesting questions in the chat. So the first is a suggestion and a question in the same time. Maybe for your future reports, is it a possibility to address the top three per industry intensive sector? So it's to address the different solution for each industry intensive sectors. So I think it's a very good suggestion. Yeah. And for example, for the data centers, do you have any technology, specific technology that you are targeting for this this sector? For sure, for Wallonia, it's a very important sector because we have the Google biggest data center in Wallonia. So I think the question is very relevant. Yeah, thank you. Thank you for that question. And it's funny because every year, apart from the 23 thematic labs that I presented, we also do key projects. So last year, we did a key project on smart farming, which is continuing, key project on natural hydrogen. Actually, we're starting a new one in 2021 on these data centers. It's actually our lab in Singapore which will take the lead there. And yes, they are looking at all technologies to make these data centers. And this is really a pull from the Googles and the Amazon. They want their data centers carbon neutral far before 2050, already within the next 2 years. So that's why we decided to make a key project out of it and speed up our efforts. Yeah. Perfect. Another very important question is turquoise hydrogen, so blue or turquoise, I don't know. Is it carbon neutral or is it low carbon for you? Yeah, of course, it will depend how you, I agree there, it will depend how you have your heat to do the pyrolysis of your methane. It depends. I think it can be made carbon neutral, but of course, in most of the technologies that are out there today, I would agree that it's low carbon. But even for the blue hydrogen, it's also low carbon, because usually in a CCS installation, you never capture 100% of your CO2, only 90%. So even the blue hydrogen is low carbon and not carbon neutral, I would say. And I invite the participant to read the study that has been launched, I think this week or last week, about the import of hydrogen. It was with ENGIE, Waterstofnet in Flanders, and different players. And so we see that one very important way to import hydrogen is to make partnerships with countries like Morocco and so on. And so it's a very key issue for the cluster as well, because we have a lot of collaboration over there. And so we really believe that we have to create something there. So we are perfect on timing. Thank you. Thank you, Jan. Merci, merci, Elodie. J'enverrai d'ailleurs à Elodie la question de 3B Fiberglass pour faire le suivi sur les déchets verriers par email après la réunion. Comme ça, il y aura un suivi des questions. on a vu dans la présentation de... Ah oui, et juste pour dire, Jan, la prochaine fois, peut-être tu nous joueras guitare, une chanson, parce qu'on voit
la guitare derrière. Non, mais ça appartient à mes enfants. Ok. Je ne vais pas vous faire ça. Ça va, ok. Merci. C'est l'occasion, les webinaires, de voir les intérieurs de nos orateurs. On continue le webinaire avec justement un des aspects clés qui a été présenté par Yann, qui est la capture, le Direct Air Capture, et aussi le CCUS. Et donc là, on est ravis d'avoir une présentation de Grégoire Léonard, qui est donc professeur associé donc au département du Chemical Engineering, donc à la faculté des sciences appliquées à l'Université de Liège. Et donc, on va approfondir ce point pendant les 20 prochaines minutes. Donc, Grégoire, si tu peux prendre la main sur la présentation. Voilà. Est-ce que vous voyez les slides? On voit les slides, tu peux l'agrandir. Voilà, très bien, je te laisse la parole. Parfait, merci beaucoup Cédric. Bonjour à tous. Effectivement, je vais essayer de reparler un petit peu plus de CCUS, de Direct Air Capture. Alors l'idée ici de cette présentation, je l'ai intitulée Rationals, parce que l'idée c'est d'essayer de donner un petit peu de chiffres. Donc je vais peut-être parfois un petit peu vous noyer sous les chiffres, désolé. De toute façon, les slides seront disponibles, mais le but est de rentrer un petit peu plus dans des considérations à thermodynamique, voire quelques considérations de coût, pour donner un petit peu des ordres de grandeur, parce que je pense qu'on parle souvent beaucoup de technologie sans savoir toujours à quoi ça engage et savoir ce que ça implique quand on parle de toute cette technologie-là. Je vais vous donner un exemple qui est lié à la densité énergétique dont Yann a bien parlé et a bien mis ça en évidence, mais par exemple, quand vous faites le plein de votre voiture, si vous calculez la quantité d'essence qui est transférée, le contenu énergétique de cette essence par unité de temps, c'est une puissance, et donc ça équivaut à plus ou moins 40 mégawatts. Et donc, si vous avez 25 voitures qui font le plein en même temps, ben, si c'est avec la même vitesse que vous arrivez à charger 25 voitures électriques en même temps que ce que vous arrivez à faire votre plein, il vous faut une centrale nucléaire pour alimenter 25 voitures. Donc, c'est parfois des chiffres. Le fait de passer sur des ordres de grandeur permet de mieux réaliser, de mieux appréhender les challenges de la transition qu'on a devant nous. Alors, j'ai essayé de structurer ça en quelques points. Donc, effectivement, je vais parler de capture atmosphérique de CO2, mais je vais aussi parler de capture de CO2 conventionnelle pour comparer un petit peu les deux. Et avant ça, je commencerai par une petite introduction sur le challenge du CO2, parce que je pense que c'est aussi des chiffres qui sont toujours assez frappants. Et en discutant avec les partenaires industriels, mais je me rends compte que c'est pas toujours très très clair. Donc l'ampleur des défis. Et puis je parlerai aussi un petit peu de tout ce qui est séquestration de CO2 avec l'alternative de réutilisation, savoir un petit peu ce qui se fait au niveau mondial actuellement. Et puis quelques perspectives. Alors bon, vous savez tous que cette transition énergétique, elle est en route, hein, on en parle suffisamment, on voit ça partout. Une façon dont j'aime la définir, c'est de dire qu'on a vraiment deux objectifs contradictoires en termes de transition énergétique. Mais c'est bien sûr les émissions de gaz à effet de serre, CO2 en premier, je ne parlerai pas des autres, mais aussi de faire face à la demande croissante en énergie au niveau mondial. Alors, ce n'est peut-être pas tellement le cas en Europe, mais c'est le cas ailleurs dans le monde. Et donc, ça, c'est aussi un point à prendre en compte. Donc, deux graphiques que je vais opposer un petit peu l'un à l'autre. C'est le premier, c'est de voir cette demande croissante en énergie. Alors, je ne sais pas si vous voyez le pointeur, ça serait que je n'ai pas testé. Vous voyez, depuis 1994 jusqu'à 2019, vous voyez que la demande a augmenté, je dirais bien, ça doit être bien 80%, quelque chose comme ça. Et quand vous voyez cette augmentation, ben, elle est due aux trois parts qui sont ci-dessous, qui sont les ressources fossiles, donc pétrole, gaz naturel et charbon. Et puis le reste, on a un peu de nucléaire, d'énergie hydro qui est assez stable. Et puis ce qui augmente fortement, ce sont les renouvelables. Donc les renouvelables entre 2018 et 2019 ont augmenté de 12-13% la capacité de renouvelables installées. Dans les meilleures années, vers les années 2010, on était plutôt à 20% d'augmentation. Mais vous voyez que même avec des chiffres d'augmentation, de croissance de ce secteur-là, très impressionnant, enfin 12%, 20%, ce n'est pas rien comme croissance, 20%, ça veut dire que vous installez chaque année un cinquième de votre parc en plus que ce qu'il n'était l'année d'avant. Même avec ces chiffres-là, on arrive à une part d'énergie renouvelable dans le mix primaire mondial que de l'ordre de 11%, allez, 15% si on parle avec le nucléaire. Donc, on est encore très, très loin de cet objectif 2050, en tout cas pour l'Union européenne, d'être décarboné. Au niveau mondial, on est peut-être plutôt à 2060 pour la Chine, 2070 de manière générale. Mais donc, on est encore très loin de cet objectif-là. Donc, ça, c'est une demande qui est croissante et à laquelle il faut faire face. Donc, ce n'est pas uniquement remplacer le parc existant, mais c'est aussi amener des capacités supplémentaires.
D'autant plus si on passe aux voitures électriques, si on passe au power to gas, au power to fuels, on va avoir besoin d'électricité pour alimenter tout ça. Bon, ça permettra des économies d'énergie, d'efficacité aussi. Bon, ça, c'est encore une autre question. Cette croissance-là, et je vous montre d'un autre côté ce slide que un petit peu artisanal, c'est moi qui l'ai refait sur base des rapports du GIEC, de l'IPCC, sur le budget CO2. Et donc, le budget CO2, c'est ce gâteau d'émissions de CO2 que l'humanité peut émettre entre 1850 et, à n'importe quelle date, mais pour qu'à l'horizon 2050, on garde 80% de chances de rester sous une augmentation moyenne des températures de 2 degrés. Donc ça, c'est ce qu'on peut émettre. Vous voyez, sur la partie 1850-1999, on a émis un peu plus de la moitié de ce gâteau-là. Et puis, sur 2000-2015, sur 15 ans, on a émis plus du quart. Donc, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une accélération très nette des émissions, puisque en 15 ans, vous voyez ce qu'on a émis par rapport à 150 ans ici. Ceci, c'est ce qui reste. Et ici, en mauve, je vous ai indiqué plus ou moins les émissions annuelles mondiales, de l'ordre de 36 milliards de tonnes de CO2 équivalent. Alors, cette année, on est plutôt à 30, pour 2020, du fait de la crise sanitaire. Mais ça reste que ce gâteau-là, 36, c'est plus ou moins 10% du gâteau qui reste. Donc, au rythme qu'on avait en 2019, ça veut dire 10 ans d'émissions dans notre budget. Et donc, si on a ceci, où on voit que les trois parts doivent diminuer à zéro à l'horizon 2050, et ceci, où on voit que le budget, il est quand même très, très limité, donc c'est lié, on se rend compte de l'ampleur de la tâche, je trouve, et donc de l'urgence aussi qu'il y a à adresser ces problèmes. Alors, je ne vais pas aller beaucoup plus loin dans le contexte, je pense que tout le monde en est bien conscient. Voilà, il y a des mesures qui sont prises au niveau européen, neutralité carbone, moins 55% d'émissions CO2 en 2030, qui a été votée. Donc, on attend de voir comment ce sera mis en œuvre. Et donc, voilà la courbe des émissions, des réductions d'émissions depuis 1990. On a atteint notre objectif de moins 20%, je crois qu'on est à moins 24% en 2020. Maintenant, on souhaite moins 55% en 2030. Donc voilà, il va falloir accélérer cette courbe-là. Les différentes façons d'y arriver, mais une des façons dont je vais beaucoup parler, c'est ce qui est CCUS. Alors, j'ai repris la même source que Yann, donc l'Agence internationale de l'énergie. Vous voyez les émissions, comment se répartissent les réductions d'émissions de CO2, l'efficacité énergétique, les bioénergies, les renouvelables. Et puis, vous avez le CCUS, qui est la partie mauve ici, qui joue quand même un rôle assez important. Et donc, CCUS, qu'est-ce que c'est? Carbon Capture, on va en parler un petit peu, Utilization and Storage. Alors, capture du CO2, en fait, techniquement, c'est principalement une question de séparation de fluides. Vous avez du CO2 qui est dilué avec d'autres gaz et vous voulez juste récupérer ce CO2. Les autres gaz, bien souvent, vous pouvez les relâcher à l'atmosphère, de l'azote, de l'eau, de l'oxygène. Bon, l'hydrogène, vous ne voulez pas l'envoyer à l'atmosphère, mais donc c'est ça l'idée, c'est séparer différents gaz entre eux. C'est ça le défi technologique en termes de process engineering. Les concentrations de CO2, elles varient très fortement en fonction du cas considéré. Si on va capter dans l'air, on est à 0,04%, donc 400-410 ppm. Si on est dans des fumées industrielles, on est plutôt de l'ordre de 100% sur certaines fumées. Une centrale gaz, on sera à 5%, une centrale charbon, on sera à 15%. 100%, c'est par exemple pour de la fermentation, pour faire de l'alcool, du bioéthanol. Et ce sont des technologies qui, pour la plupart, pour certaines en tout cas, sont matures et existent depuis une cinquantaine d'années, et d'autres qui sont pour la plupart encore en développement. Et l'avantage de ces technologies de capture de CO2, c'est qu'elles sont très flexibles. Donc, c'est quelque chose qui est pilotable. C'est quelque chose pour certaines qu'on peut utiliser pour équiper des installations existantes. Mais dans l'état actuel des choses, c'est une technologie qui a eu un coût uniquement parce que le CO2 que vous allez capter, vous n'allez pas arriver à le revendre ou le marché est très, très limité. Donc, différentes technologies, l'absorption physique, chimique, l'absorption sur des sorbants solides, des membranes, séparation cryogénique. Je passe ça assez rapidement. Je pense que si vous voulez plus de détails, il y a des sources, je peux vous en fournir. Et différentes configurations. Soit on peut capter le CO2 après la combustion. Donc, on a une autre chaudière, on va chercher le CO2 dans les fumées. Soit on peut aller le chercher avant la combustion. Et donc là, c'est la pré-combustion, par exemple, pour faire de l'hydrogène bleu. Donc, blue hydrogen, on va gazéifier un combustible qui peut être déjà un gaz, ça peut être du gaz naturel ou ça peut être un solide, de la biomasse. On produit un syngas duquel on enlève le CO2 et on se retrouve avec un combustible qui ne contient plus de CO2, plus de carbone, qui est de l'hydrogène. On peut aussi avoir de la combustion oxyfuel où on fait la combustion avec de l'oxygène pur. En sortie, on a donc uniquement de l'eau et du CO2 et c'est très facile de les séparer l'un de l'autre.
Et donc, ce que je voulais vous montrer par rapport à ça, donc le côté un petit peu thermodynamique et un peu chiffre, c'est bon, il y a énormément d'études évidemment qui ont été publiées sur le sujet. J'en ai choisi une qui parle un petit peu, qui a vraiment une approche plutôt thermodynamique. Donc, qui n'a pas été voir ce qui se fait dans l'industrie, mais qui a plutôt été voir, voilà, sur base de la thermodynamique, de la séparation de fluides. J'ai du CO2 qui est mélangé avec d'autres molécules. Donc, j'ai une entropie de mélange. Sur base de cette entropie de mélange-là, quelle est la quantité d'énergie minimale thermodynamique qu'il faut fournir pour arriver à séparer le CO2? Alors, ils ont pris 5 fois la quantité minimale. Donc, comme ça, ça vous donne un ordre de grandeur en se disant que 5 fois la quantité minimale, c'est plus ou moins ce qu'on a dans les installations industrielles. Et effectivement, si on convertit, on est ici à de l'ordre de 1 ou 2 gigajoules par tonne de CO2, ce qui est ce qu'on retrouve dans les centrales de capture de CO2. Mais donc, cette quantité d'énergie minimale, en fonction de la technologie, je ne rentre pas dans les détails, mais vous voyez qu'il faut plus d'énergie pour le gaz naturel, tout simplement parce que les fumées d'une centrale CCGT sont beaucoup plus diluées que les fumées d'une centrale charbon. Je vous ai dit 5% de CO2, 15% de CO2. Quand on regarde en termes de pénalité énergétique sur le rendement de la centrale, là, la pénalité énergétique est plus importante pour le charbon que le gaz naturel, tout simplement parce que, je veux dire, pour une tonne de CO2 émise, j'ai besoin de moins de gaz naturel et donc je produis plus d'électricité avec ce gaz naturel par tonne de CO2 émise. Donc, la consommation d'énergie dont j'ai besoin pour capter le CO2 associé à 1 mégawatt-heure est plus faible pour le gaz naturel que pour le charbon, puisque le charbon émet plus de CO2 proportionnellement. Alors, pour vous donner, le but ici, c'est de vous donner des chiffres, de vous donner un petit peu des références. On rentrera plus en détail, si vous voulez, dans le chat, avec beaucoup de plaisir, ou même par la suite. Et donc, ici, c'est un petit peu le benchmark, donc les technologies modèles qui existent pour le charbon à gauche et pour le gaz naturel à droite. Vous voyez, la technologie sans capture de CO2, le rendement de la centrale qui a été choisi, on est de l'ordre de 44-45%. Après installation du CO2, de la capture CO2, on diminue. Donc, on a une forte pénalité énergétique en fonction de la techno, différent en fonction du choix de la mine qu'on va prendre. On a une perte de rendement de la centrale et de même pour la centrale à charbon. Donc, je vous donne aussi d'autres idées. Donc, c'est pour des centrales 900 MW, des CAPEX, des OPEX. Et puis, vous avez le coût du CO2 qui est capté, qui est évité, je devrais plutôt dire, qui est de l'ordre de 50, 60, 70, 80 dollars par tonne de CO2. Et c'est ce coût-là sur lesquels on va rediscuter un petit peu. Alors, peut-être un petit aparté sur les activités qu'on a dans mon groupe, donc dans mon unité de recherche Chemical Engineering, en termes de capture de CO2. Ce sur quoi on travaille principalement, c'est sur la modélisation des procédés qui font la capture du CO2. Donc, ceci, c'est un modèle pour le procédé le plus classique avec absorption, régénération dans des solvants. Et donc, en arrière-plan, vous voyez l'image d'une centrale qui capte du CO2 dans les plaines du Saskatchewan au Canada. Et donc, on modélise l'absorbeur, on modélise le régénérateur, on essaye de regarder quelle est la consommation énergétique, comment améliorer le procédé pour en diminuer la consommation énergétique. Et un autre point qu'on a développé aussi, c'est l'étude de la stabilité des solvants. Ce sont des solvants aminés, bien souvent des solvants chimiques qui sont utilisés, parce que s'ils se dégradent, ils vont avoir des produits de dégradation, par exemple de l'ammoniac, qui vont être réémis à l'atmosphère. Et ça, on veut l'éviter parce que c'est aussi un coût de traitement des fumées supplémentaires. Et donc, on combine ces aspects modélisation et étude de la stabilité des solvants et de sorbants. Je reviendrai plus tard. Un autre aspect qu'on a développé un peu plus récemment, c'est dans le cadre d'un projet ETF, le projet Procura, où on est en train de développer un outil de support à la décision. Donc, la première version, on espère qu'elle sera prête d'ici un mois ou deux. Et puis, ça va être toute une thèse de la raffiner, d'approfondir un petit peu les hypothèses qui sont faites dedans. Mais donc, on voudrait avoir un premier outil déjà disponible sur base de la littérature pour choisir la méthode de capture de CO2 appropriée à chaque environnement industriel, en fonction de critères qui sont plutôt d'engineering, économique ou d'environnement. Donc, par exemple, ça va être quel est le degré de maturité souhaité par le décideur qui va utiliser l'outil. Quelle est l'empreinte au sol, par exemple, le taux de capture, la pureté du CO2 voulu. Au point de vue économique, quelle est la marge maximale qu'on a pour le coût du CO2, les CAPEX maximaux admissibles. Point de vue environnemental, analyse de cycle de vie, etc. Et sur base de ça, il va y avoir un score pour chacune des technologies qui sont dans notre base de données qui va permettre d'identifier les technologies les plus pertinentes. Alors ça, c'était la capture de CO2 de manière générale, bien qu'on a déjà un petit peu de capture de CO2 dans l'air dans l'outil présenté juste précédemment. Et en ce qui concerne la capture de CO2 dans l'air, donc on en a beaucoup parlé. Au fait, a priori, pourquoi essayer d'aller capter dans les fumées si la technologie de capture dans l'air se développe et est poussée si vite? Alors, je suppose que vous en avez entendu parler. Vous avez vu ces images de synthèse.
Celle-ci, ce n'est pas une image de synthèse, ça existe, c'est sur le toit d'un building en Suisse qui va capturer le CO2 directement dans l'atmosphère. Et il y a une semaine ou deux, vous avez vu Elon Musk qui promet 100 millions de dollars à celui qui l'aidera à résoudre ce problème de carbon capture. L'idée, en fait, c'est d'aller vers des émissions négatives de CO2, d'aller rechercher le CO2 qu'on a émis par rapport à ce budget carbone, ce gâteau que je vous ai montré tout au début, aller rechercher le CO2 dans l'air pour se permettre d'être un peu plus large par rapport à ce budget. Deux technologies principales existent pour les émissions négatives, l'air capture et tout ce qui est CCS, donc carbon capture, sur tout ce qui est biomasse, donc co-combustion de biomasse et puis captage de CO2 dans les fumées. Alors, différentes motivations. Donc, pourquoi aller vers la capture dans l'atmosphère? C'est quand on a des émissions de CO2 qui ne sont pas concentrées. Par exemple, tout ce qui vient des transports. Vous n'avez pas installé une installation de capture sur chacune des voitures thermiques. Ça a aussi bouclé la boucle pour les carburants synthétiques. Je pense que ça a été montré assez clairement aussi par Yann dans la présentation précédente. Ne plus avoir besoin de transporter le CO2. Si vous avez besoin de CO2 pour faire des e-fuels dans le désert de Sahara, vous pouvez directement l'utiliser sur place parce que les flux d'air au niveau terrestre sont suffisamment bien répartis, vous en avez partout. Et puis, donc, enlever le CO2 de l'atmosphère. Et puis, point de vue coût, il y a deux autres arguments qui sont assez intéressants. C'est de se dire, effectivement, c'est plus cher parce qu'on est plus dilué que dans le point source capture. Cependant, on a une régénération du sorbant ou du solvant qui, au final, ne dépend pas de la concentration du CO2 dans les gaz, puisque ce que vous régénérez, ce n'est pas un volume d'air qui est passé par votre unité, mais c'est uniquement le CO2 qui a été capté sur le sorbant et donc qui a été déjà préconcentré. Et donc, cette quantité de sorbant à régénérer, c'est effectivement, ça va être légèrement différent, mais ça ne va pas être linéaire par rapport à la dilution. Et donc, ce coût de régénération du solvant est assez indépendant de la concentration de CO2 dans le flux de gaz. Alors, pour remontrer ceci, ce graphique-ci montre ça un petit peu aussi différemment. Ici, vous avez la dilution avec différentes applications industrielles. La dilution est donc là où on va chercher des composés d'intérêt. Vous avez par exemple l'uranium dans l'eau de mer, vous avez les gisements d'or, le radium, la pénicilline. Donc, tout ça sont des matériaux qui sont très fortement dilués. Et donc, le prix auquel on arrive à aller les rechercher. Et donc, la capture dans l'air, on est un petit peu plus haut, j'ai refait le calcul, on est un petit peu plus haut dans les estimations que je vais vous communiquer. Mais on est quand même sur cette ligne-ci. Donc, même si on est fortement dilué, c'est quelque chose qui n'est pas linéaire, mais qui suit plutôt une échelle logarithmique en termes de coût par rapport à la dilution. Différentes technologies qui existent, elles ont déjà été mentionnées, donc Expression, je n'en reparle pas spécialement. Pour vous donner un ordre de grandeur de coût, donc vous vous souvenez, pour la capture du CO2 dans les fumées, on était plutôt de l'ordre de 50 à 80 euros la tonne. Pour la capture du CO2 dans l'air, les estimations sont plutôt entre 100 et 80 dollars la tonne, avec une référence qui dit, c'est Climeworks en Suisse, qui dit que eux, savoir comment descendre à 200 dollars la tonne ou 200 euros la tonne, ils le voient très bien d'ici l'horizon 2025-2030. Aller plus loin, ils l'envisagent aussi, c'est un peu plus flou comment ils vont y arriver, mais arriver à 100 dollars, voire un peu en dessous, c'est quelque chose qui est dans leurs objectifs. Et donc, pour continuer cette comparaison de coûts, on l'a vu sur la capture dans l'air, on l'a vu sur l'industrie de la production d'électricité, donc sur une centrale thermique, et ici, vous l'avez pour différentes autres industries. La référence pour ce graphique, c'est celle-ci. Vous l'avez, par exemple, dans les sidérurgies, raffineries. Je regarde, je ne vois pas l'industrie du verre ici, malheureusement. Mais à mon avis, on sera relativement bas parce que c'est quand même assez concentré. Donc, on sera plutôt entre 40 et 60. Il faudrait aller voir les études spécifiques. Je vais faire des clients. Tout en sachant que la majorité de ces coûts à la tonne de CO2 sont liés au coût opératoire, donc cette pénalité énergétique pour la régénération du solvant. Ce coût-là, bon, on va dire 40, entre 40 et 100 euros la tonne. Ce coût-là, c'est quelque chose, et donc c'est pour ça que je dis, pour le moment, il n'y avait pas d'incitant financier à aller capter ce CO2. Vous mettez une installation de capture, vous devez juste payer 40 euros en plus, parce que le différentiel par rapport à la taxe CO2 était très faible. La taxe CO2, c'est le marché CO2 ETS au niveau européen, qui restait pendant très longtemps aux alentours de 5 euros la tonne. Le marché avait été mal calibré, n'avait pas bien pris en compte, n'a pas pu résister à la crise industrielle qu'on a eue en 2008. Par contre, ça a rechangé et donc l'Union européenne a actualisé tout ça. Et donc, pendant quelques années, ici, 2-3 ans, on est resté autour de 25 euros la tonne. Et maintenant, on est en train de s'établir autour de 30-35 euros la tonne.
Et là, 30-35 euros la tonne, on est vraiment plus très éloigné des 40 euros la tonne que je vous ai montré dans les graphiques précédents. Et donc là, on a vraiment un incitant financier qui va faire que, parce que ce prix-là ne va aller qu'en augmentant, puisque le marché ETS diminue chaque année le nombre de quotas qui sont alloués, donc il raréfie le nombre de quotas CO2, et donc, vu la loi de l'offre et la demande, les prix ne vont pouvoir qu'augmenter. Et donc là, on a un incitant financier pour vraiment pousser toutes ces technologies de capture de CO2, et donc soit ensuite stockage, soit réutilisation. Alors, stockage, je ne vais pas m'apesantir longtemps dessus, parce que bon, y a des personnes qui ne croient pas au stockage, des personnes qui ne croient pas en la réutilisation. Personnellement, mon opinion, c'est que les défis sont tellement grands, avec du CO2, il y en a tellement qu'on ne pourra pas se passer de l'un ou de l'autre. Pour le stockage, donc juste pour donner aussi, parce que c'est une remarque qu'on m'a parfois faite, on m'a dit, mais est-ce qu'il y a assez de place pour stocker tout ce CO2 sous terre? Mais le potentiel qui a été évalué, c'est ce chiffre-ci, de 5000 à 25000 gigatonnes de CO2. Et 2000 gigatonnes de CO2, c'est tout ce qu'on a émis depuis 1850. C'est ce pie chart, ce gâteau que je vous ai montré tout au début. Donc le potentiel, il y est. Il suffit de penser que partout où on a enlevé du gaz naturel, on remet du CO2, par exemple. Ce qui se fait vraiment en stockage depuis 5, 10, 15, 20 ans, cette technologie-là de stockage de CO2 souterrain, ça existe uniquement dans des voies de stockage. Donc, on veut mettre le CO2 là pour ne plus qu'il nous embête. Il y a plus ou moins 5 millions de tonnes par an qui sont injectées. Ce qui est capture de CO2 et stockage souterrain pour la récupération assistée d'hydrocarbures, donc là, on est plus sur la réutilisation de CO2. Là, en 2016, on est plutôt de l'ordre de 30 millions de tonnes par an. Les coûts de stockage par rapport au coût que je vous ai montré, donc de l'ordre de 40 à 80, 100 euros la tonne. Ici, ils sont relativement faibles. Par contre, on a besoin d'une grande infrastructure pour amener le CO2 au site d'injection. Et donc, ça, ce sont des projets qui ont fortement bougé l'année qui vient de s'écouler. J'en présente quelques-uns. Donc, en Europe, on a eu le projet Northern Lights, qui est sponsorisé fortement par la Norvège, et qui souhaite injecter de l'ordre de 5 millions de tonnes de CO2 par an, avec du CO2 qui viendrait d'installations industrielles de Norvège, mais aussi en concluant des partenariats avec d'autres clusters industriels. Vous avez au large de Rotterdam un autre site qui a été identifié, avec 2,5 millions de tonnes de CO2. Et puis ici en Belgique, il y a le projet Antwerp at Sea, qui lui n'a pas de site de stockage offshore qui est identifié, parce qu'il n'y en a pas dans les autres territoires belges, si je me souviens bien. Par contre, ce qu'ils veulent mettre en place, c'est toute l'infrastructure, pipelines, stockage intermédiaire, unité de liquéfaction pour le transport de CO2, de façon à être prêt quand ces champs de stockage seront ouverts et seront prêts à accueillir le CO2 industriel venant de Belgique, des Pays-Bas ou d'Allemagne. Donc ça, c'est toute une infrastructure à développer. C'est un grand risque industriel aussi, mais on voit de plus en plus les lignes bouger à ce niveau-là. Fluxys a présenté un plan d'infrastructure, notamment. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses qui ont bougé sur la dernière année à ce niveau. Et puis, comme dit, on va devoir en stocker vu les quantités qui sont émises, mais en attendant, le stocker, c'est un coût supplémentaire. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de réutiliser ce CO2 pour en faire quelque chose de valorisable? Et alors là, on parle sur l'idée d'utiliser le CO2 comme un feedstock, comme une ressource. Alors, le pie chart que je vous ai montré, donc ceci, c'est 40 gigatonnes de CO2 par an. Donc, on est en 30 et 36, bon, j'ai arrondi. C'était plutôt 36 avant la crise, 30 avec la crise. Donc, j'ai mis 30 gigatonnes de CO2 qui sont émis chaque année. Et sur ces 30 gigatonnes, ou 40 gigatonnes, donc 40 000 mégatonnes, il y en a 250 plus ou moins qui sont réutilisées chaque année. Alors, la réutilisation, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire la récupération assistée d'hydrocarbures, c'est ce chiffre-ci. Elle va faire de l'urée. Ça, c'est un procédé qui existe depuis très longtemps parce que pour faire de l'urée, qui est une base pour les engrais, on a besoin d'ammoniac et de CO2. Et ça tombe bien pour produire de l'ammoniac, le CO2 est un sous-produit. Donc, on utilise l'ammoniac et le CO2 pour faire de l'urée. Et donc, ça, c'est quelque chose qui existe déjà depuis un bon moment. Et puis, on a différentes autres utilisations. Par rapport au slide qui a été présenté par la première présentatrice, se dire est-ce qu'on est d'accord d'avoir du CO2 qui vient d'une centrale à charbon dans notre alimentation, on l'a déjà en fait. Quand vous buvez un coca, le CO2 il vient d'une centrale à charbon. Centrale à charbon ou d'autres sources qui peuvent être des sources industrielles de synthèse d'ammoniac par exemple. Et donc ce potentiel de réutilisation pour le moment il est relativement faible, donc 0,25 gigatonnes. Et selon les études, j'en ai cité une ici, les estimations varient entre 4 et 16 gigatonnes de CO2 par an qui pourraient être réutilisées. Donc, on n'arrive quand même pas à couvrir les 40 gigatonnes de CO2 par an émises. C'est pour ça que même si on diminue ces émissions
du fait de l'amélioration de l'efficacité énergétique et des renouvelables, je pense qu'il reste un potentiel pour la séquestration également, notamment pour toute une série d'industries qui ne savent pas faire autrement que d'émettre leur CO2. Je pense à l'industrie cimentière, par exemple, mais pas que. Et jusqu'ici, donc, dans la réutilisation de CO2, ben, on utilise du CO2 industriel, effectivement, principalement de production d'éthanol parce qu'il est pur, principalement de la production d'ammoniac parce que là, on est obligé d'aller le capter parce que le CO2 est un poison pour les catalyseurs d'ammoniac, de synthèse d'ammoniac, la synthèse d'éthylène, voilà, il y a différentes. Et puis, il y a encore une source de CO2, il faut savoir qu'on va encore actuellement chercher du CO2 souterrain. Il y a des endroits où on a des gisements avec du CO2 assez concentré, comme à d'autres endroits on a du gaz naturel, pour l'utiliser dans l'industrie. Donc, si on pouvait déjà laisser ce CO2 souterrain en place, ça aiderait déjà et à la place aller chercher le CO2 qui est émis par l'homme. Alors, au niveau chiffres, on peut parler sur de la réutilisation de CO2. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire alors avec ce CO2? J'aime bien classer ça en trois ou quatre catégories. La première chose, c'est de l'utiliser sans transformation. Donc, on l'injecte pour avoir plus de pétrole dans le sous-sol. On l'utilise comme solvant dans son état supercritique. Bon, les volumes sont très faibles, mais par exemple, pour faire du café décaféiné, le CO2 supercritique est un très bon solvant pour extraire la caféine, pour extraire le cholestérol de la margarine. Le CO2 peut être utilisé dans l'agroalimentaire pour le Coca-Cola, par exemple, pour, dans la bière. En Belgique, petit clin d'œil, pour extruder les fricadelles, pour les faire mousser, on les fait mousser au CO2. Donc voilà, il y a toute une série d'applications, mais en général avec un volume d'application assez large. Donc, ce n'est pas ça qui va faire nos 4 ou 16 gigatonnes de CO2 par an. Il y a tout ce qui est transformation biologique, et là, c'est déjà utilisé actuellement aussi, c'est envoyer du CO2 dans des serres pour améliorer la croissance des végétaux. C'est fait énormément aux Pays-Bas, en augmentant, ben, en gros, vous augmentez les conditions favorables à la photosynthèse, et donc la photosynthèse est accélérée, et vous faites croître vos végétaux plus rapidement. Le problème, on parle aussi de micro-algues, par exemple. Un des soucis qu'on peut voir là, c'est qu'on a besoin d'une surface importante, puisqu'il faut que les végétaux soient illuminés par la lumière, et ça, ça doit être obligatoirement en 2D. Et puis, il y a tout ce qui est transformation chimique, soit vers un état plus faible en énergie, soit vers un état un peu plus élevé en énergie. Plus faible en énergie, donc vous avez ici différentes molécules qui contiennent du carbone. Et donc, vous voyez, le CO2, c'est le niveau zéro énergie. C'est ce qui reste quand vous avez brûlé votre carburant, c'est ce CO2, et donc il a un niveau zéro exergie. Vous avez quelque chose qui est plus bas, qui est spontané quand on le fait réagir avec le CO2, ce sont les oxydes, et donc on peut faire des carbonates, et donc là, ça va être, par exemple, du calcaire. Quoi. On peut faire du calcaire avec le CO2. Mais sinon, pour tout le reste, quoi que vous vouliez faire à partir de CO2, il vous faut de l'énergie et pas qu'un peu. Ce sont des grosses quantités d'énergie. Et donc, il faut être sûr que si vous voulez faire ça, vous avez besoin d'énergie renouvelable. Parce que si c'est pour brûler du charbon ou du gaz naturel pour le réinjecter dans votre CO2, ça n'a évidemment aucun sens. Est-ce que je peux te demander de clôturer en 2 minutes? Oui. Merci. Oui, je termine. J'ai juste ce slide-là et puis là, je passe à la conclusion. Donc, au niveau réutilisation, donc ça c'est pour présenter un petit peu de ce qu'on a au niveau de l'Université de Liège. Donc, on a une plateforme qui étudie différentes voies de réutilisation de CO2, soit de CO2 comme solvant, soit pour faire de la minéralisation, de la carbonatation, soit pour en refaire des monomères, des polymères pour les plastiques et des carburants synthétiques. Ça, c'est ce qu'on fait dans mon groupe. On vient de s'équiper d'une capacité d'électrolyse de 6-7 kW pour vraiment créer un laboratoire d'hydrogénation de CO2 en visant toutes sortes de carburants. On pourra en discuter si vous avez un intérêt là-dedans. Donc, pour conclure, le state of the art, on a différents niveaux de maturité. Capture de CO2, c'est mature, mais on a assez peu d'applications. Stockage, c'est quelque chose qui se fait aussi commercialement et qui est en boom pour le moment. Réutilisation, ben, en fonction des technologies, vous avez toutes sortes de TRL. Et donc, on voit vraiment clairement une accélération ici avec le European Green Deal. Ici, c'est une ligne du temps qui montre un petit peu depuis mars 2020 toute une série de projets d'investissement. Vous voyez par exemple Northern Lights, dont je vous ai parlé. Vous voyez ici Climeworks qui a levé, donc pour l'air capture, qui a levé 110 millions de dollars, etc. Donc, il y a vraiment quelque chose qui est en train de bouger à ce niveau-là. Pour terminer, ben, on vit dans une société, c'est mon dernier slide, on vit dans une société basée sur le carbone, où on a mis des millions d'années, enfin, la nature a mis des millions d'années à faire ces carburants qu'on extrait du sol, ces carburants fossiles. Donc, c'est d'un point de vue thermodynamique, c'était spontané. Nous, maintenant, on va dans l'autre sens. On va les brûler, ça prend quelques millisecondes. Et si on veut refaire des carburants synthétiques, si on veut refaire une société basée sur le carbone, mais qui ne passe plus par ce cycle qui a mis des millions d'années à se produire dans la nature, ben c'est toute une série de catalyseurs à développer et on a besoin d'énergie aussi pour faire
tous ces carburants et ces matériaux. Et donc, c'est vraiment un défi très passionnant pour les ingénieurs, pour la génération d'aujourd'hui, mais c'est aussi un défi très conséquent. Et donc, je suis très content qu'on soit là pour en discuter. Voilà. Merci beaucoup. Merci Grégoire. Pas de souci, c'est vraiment super intéressant. Tu as réussi à démystifier ces secteurs avec ta présentation et donner aussi beaucoup de chiffres, ce qui est hyper intéressant pour, à mon avis, ceux qui suivent. Je vais me permettre de prendre deux petites questions rapides pour ne pas prendre trop de temps sur la fin du webinaire. Notamment, mais ça, je peut-être invité, mais je suis certain qu'il y a des études sur le payback time LCA de ces technologies. Voilà, je pense que si tu en as, on pourrait peut-être envoyer le lien aux différents participants, parce que je pense que ça, c'est quelque chose que tu n'as pas peut-être eu le temps d'approfondir, mais je sais qu'il y a des études de plus en plus intéressantes là-dessus. Enfin, tu confirmes. Oui. Il y en a eu, j'en ai vu, je n'en ai pas sous la main, parce que c'est quelque chose que j'ai vu il y a quelques années, il faudrait que je le retrouve un petit peu, je vais chercher un petit peu. En tout cas, c'est intéressant. J'en avais vu une aussi, en tout cas, une des premières notions de retour avec des présentations à l'Uliège, mais c'était vrai, à mon avis, ça s'appuyait sur d'autres études, donc il faut retrouver ça, mais je pense que c'est vraiment intéressant. Toujours la même question de Arnaud Collignon de la Terre Environnement, sur laquelle d'ailleurs je recommande son livre qui est sorti dans l'année 2020, il appréciera, sur le plan finance climat intégré. Donc si vous le voulez, vous lui envoyez un message privé ou vous passez par nous. En tout cas, c'est intéressant pour savoir qu'on peut utiliser la dette pour aller investir dans la transition énergétique. Sa question, c'est évidemment les centrales au gaz qui sont prévues en Belgique. Je pense que c'est assez intéressant. Si c'était toi qui choisissais, tu irais plutôt vers un grand nombre de cogènes on va dire de petite taille avec des réseaux de chaleur répartis sur le territoire ou plein de petits des CCGT donc hyper efficaces, hyper flexibles, des très grandes centrales du coup avec du CCS, CCU ou avec utilisation d'hydrogène. Quelle serait ta vision pour le moment si tu pouvais décider des investissements en gaz? Très bonne question. Je pense que ma première réponse ne me plaira sans doute pas. Je pense que je n'aurais pas arrêté le nucléaire. Parce que les défis sont tellement gigantesques. Je ne plairai pas à cette personne qui a posé la question, à mon avis. Voilà, je pense que les défis sont tellement gigantesques et l'urgence, c'est un timing différent. Et donc là, on est en train de se priver un peu d'une arme et ça, c'est un peu dommage. Donc, voilà. Alors, deuxième chose par rapport au gaz. Donc, si le choix est fait d'aller vers du gaz, donc il y a plusieurs questions. Est-ce qu'on part sur du gaz fossile ou est-ce qu'on part sur du biogaz? En termes d'approvisionnement, je pense que biogaz, on n'a pas encore suffisamment pour le moment. En termes de réduction de coûts, très clairement, les technologies de capture de CO2 visent l'échelle la plus grande possible et donc visent des échelles de l'ordre de 800 MW, voire plus, en termes de centrales. Ça se fait sur du charbon principalement, sur du gaz. Il faudrait que je regarde exactement quelle centrale existe au gaz et quelle est la plus grande taille qui existe au gaz. Je ne suis pas sûr qu'il y ait déjà grand-chose sur le gaz, parce que beaucoup de pays estiment que passer du charbon au gaz, c'est déjà une forte amélioration environnementale, ce qui est vrai, mais donc il n'y a pas encore la partie CCS là-dessus. Donc, le paradigme dans ce domaine-là, c'est d'aller vers quelque chose qui est le plus grand possible. Maintenant, la question m'intéresse extrêmement, parce que c'est le sujet d'un TFE, de deux TFE et d'une thèse qui démarre. Je pense que le thésard est dans l'assistance, d'essayer de voir quelle est l'échelle optimale. Est-ce qu'on n'a pas intérêt à développer des unités de capture de CO2 qui soient plus petites et qui permettent de travailler sur une échelle industrielle de l'ordre peut-être de 50 à 100 MW. Et donc là, je pense qu'il y a un créneau. Pour le moment, on est en train d'évaluer différentes voies parce que c'est plus aussi une question d'empreinte au sol. Donc, on ne va pas forcément aller vers de l'absorption, peut-être plutôt vers de l'adsorption, peut-être plutôt vers des membranes, mais les membranes ne sont pas encore suffisamment mûres. Et donc, c'est quelque chose qu'on est en train d'étudier. Donc, je ne peux pas encore y répondre pour le moment. Ce que je peux dire, c'est le paradigme pour le moment dans la littérature, c'est d'aller vers le plus gros possible pour faire des économies d'échelle. Et du coup, c'est en termes de la dernière question, peut-être très rapidement, là, que je prendrai, une question sur les business models qui me paraît intéressante, parce qu'on voit que les industriels qui ont ce type de crédit, c'est peut-être pas spécialement eux qui vont mettre en place ces technologies de direct air capture, parce que voilà, en termes de business model, c'est pas spécialement évident de créer justement ce modèle économique entre celui qui l'émet et celui qui va aller le prendre. Comment est-ce que tu vois les choses là-dessus? Est-ce qu'on pourra avoir, en fait, ça va être un nouveau métier? Oui, c'est vraiment, je vais indiquer, je l'ai mis dans les sources, mais ce n'est pas dans le PDF que j'ai envoyé, je l'ai rajouté dans mes sources ce matin suite au slide. Je vais le mettre dans le chat. C'est un article du New York Times
qui est vraiment très bien fait. C'est une interview des fondateurs de Climeworks en Suisse qui parle vraiment notamment des business models et qui donne aussi énormément de chiffres. Donc, je mettrai ça dans le chat. Donc, il y a quelques boîtes et les orateurs précédents, je pense Elodie a mentionné ça, parmi les différentes boîtes qui font de la capture atmosphérique. Là, la plupart du temps, le business case, c'est de dire on vous amène du CO2 pour votre utilisation. Ça, c'est un des business cases possibles, en disant voilà, vous avez besoin de CO2 pour telle utilisation, on vous l'amène en allant le chercher directement dans l'atmosphère. Vous n'avez pas une chaîne logistique qui en dépend. Un autre business case, c'est de dire voilà, vous voulez prendre un vol de Bruxelles à New York, ça émet autant de CO2, vous pouvez acheter ce CO2 qui va être capturé par notre technologie. Mais en général, ce n'est pas l'Université de Liège qui a sa Cogène qui va devenir développeur de technologies de capture de CO2 dans l'air, ni même de capture sur sa centrale. Ça va être une nouvelle filière qui se développe, qui est en train de se développer, donc où il y a déjà des acteurs, où il y a aussi de l'effervescence aussi au niveau wallon à ce niveau-là, au niveau recherche aussi, on est bien placé pour le savoir, pour développer de nouvelles filières qui vont aller faire ces tâches-là et qui serviront d'intermédiaire. Ok, bon, très bien, merci. En tout cas, si tu as besoin d'aide aussi au sein de GreenWin ou de Tweed pour proposer une solution à Elon Musk, je veux dire, ça vaut la peine, 100 millions, ça vaut la peine de se creuser un petit peu deux, trois après-midi ensemble. Un tout grand merci, Grégoire, pour la présentation super complète. Et on va finir ce webinaire avec une présentation de Jean-Yves Tilquin, qui est donc le directeur R&D du groupe Carmeuse et aussi vice-président de CE2 Value Europe. Et donc, on va vraiment aller justement sur cette utilisation du CO2, cette transformation et comment est-ce que les industries vont pouvoir l'utiliser. Et donc, je pense que Jean-Yves est hyper bien placé pour aborder ce point. Jean-Yves, si tu peux partager ton écran. Parfois, parfait, on voit très très bien. Voilà, je ne sais pas de combien de temps je peux disposer parce que c'est toujours un peu compliqué d'être le dernier. On a pris, comme on a les questions et réponses qu'on avait prévues, mais tu as 20 minutes, on aura 5 minutes de retard sur le timing prévu. Ok, merci. Tout d'abord, encore une fois, bon, c'est un peu compliqué de parler après autant d'orateurs aussi spécialisés là-dedans. Et donc, je vais un peu revoir ma présentation et travailler sur le fil du rasoir. Ce que je vais essayer peut-être de faire, je skipperai certains de mes slides qui seront en fait que des redites, mais globalement, je converge complètement par rapport à ce qui était dit. Ce que je vais essayer de faire ici, c'est de donner un point de vue d'industriel, donc industriel, industrie lourde, et j'englobe un peu l'industrie pour laquelle je travaille, puisqu'ici, je parlerai en deux noms, d'abord comme responsable de la R&D du groupe Carmeuse, donc qui, comme je le disais, fait partie des grands secteurs émetteurs de CO2, tout comme le steel, les verriers et les cimentiers qui sont autour de la table aujourd'hui, mais également comme vice-président de CO2 Value Europe. Et je sais que mon directeur général écoute ces slides ici. J'ai pris le format et un peu le design des slides de CO2 Value, mais une partie de ce que je vais dire n'engage que moi et n'est pas une position officielle de CVE. Donc, ce que je vais essayer de faire, après un petit rappel historique et un petit clin d'œil à GreenWin, je vais essayer peut-être de revoir ma présentation et de mettre en évidence quelques contre-pieds, quelques confirmations de ce qu'on a entendu en tant qu'industriel au sein de l'action, au sein des investissements à consentir, au sein des partenariats. Et je terminerai par donner un peu plus de visibilité sur ce que Yann a déjà introduit, qui est de très loin notre plus gros projet en collaboration avec Engie Junkerfield et qui concrétise tout ce que je vais dire jusque-là. Alors, dans l'agenda de ma réunion, je vais essayer de vous expliquer, bon, ici on en a beaucoup, beaucoup, beaucoup parlé, c'est quoi, c'est CVE, c'est qui. Là, j'irai relativement vite. Par contre, ce qui est fort, fort important pour moi, et j'ai bien aimé le commentaire de Yann, on commence à arriver ici à l'interface entre les secteurs. On est vraiment au cœur de ce qu'on appelle depuis très longtemps la symbiose industrielle, dans ce que moi j'appelle l'économie circulaire du carbone, où ça transcende complètement les secteurs. On a beaucoup parlé d'énergie, on a un peu moins parlé des émissions unavoidable, donc les autres émissions fossiles, ceux qui utilisent des carbonates comme les verriers, les cimentiers, les chauffourniers et les sidérurgistes le savent très bien. Et donc, on se retrouve vraiment à l'interface des technologies à ce niveau-là, mais également à l'interface des business models. Et là, je fais directement
une parenté par rapport à ce que Grégoire a dit. Il est clair qu'on va devoir revoir les business models. Les business models ne vont plus pouvoir être un ensemble de silos les uns à côté des autres, mais simplement être intégrés dans ces aspects-là. Quand nous, on va vous présenter les projets dans lesquels nous sommes avec des gens de l'énergie pour faire du e-gaz, bien évidemment, les chaînes de valeur se fusionnent et on n'est plus du tout dans des chaînes de valeur isolées. Et donc, non seulement les business models vont changer, mais les chaînes de valeur vont changer. Je profite également de faire un petit clin d'œil à Grégoire en disant les chiffres qui sont annoncés dans la littérature et dans toutes les études quant au coût des solutions de capture et de concentration. Quand on plonge les deux pieds dans la réalité industrielle et qu'on commence à aligner les chiffres, souvent ça explose. Et ce n'est pas uniquement pour les captures conventionnelles sur des points d'émission, mais également pour le direct air capture. Je crois que les gens, que ce soit Carbon Engineering, que ce soit ClimateWorld, sont parfois, à mon avis, over-ambitious sur la réalité réelle des coûts globaux quand on prend tout ce qui concerne l'investissement industriel et pas uniquement quelques OPEX et CAPEX. On a étudié tout ça. Je crois que maintenant, on se retrouve face au mur, on doit le grimper et il a l'air un peu plus haut que ce qui est annoncé. Et donc, on ne va pas arriver à des solutions qui seront balancées par l'ETS, en tout cas à court terme. Il faudra d'autres types d'incentives. L'Innovation Fund en fait partie. Ça, c'est un message que je voulais faire. Donc, j'en reviens à la présentation. Alors, je ne vais pas revenir sur les grandes voies du CCU. Je vais simplement vous montrer ce slide que j'aime beaucoup, donc qui fait vraiment le lien non seulement avec la source de CO2 et les différentes possibilités de le capturer et d'utilisation, mais un point qui est souvent sous-estimé, c'est « and quid after ». C'est qu'est-ce qu'on fait avec ces différents produits qu'on a transformés, quels vont être leur « end of life ». Est-ce que les produits plastiques qu'on va faire, on va les brûler, on ne va pas les brûler? Qu'est-ce qu'on fait avec les énergies « carrier » Que deviennent-ils? On parlait très à propos de l'hydrogène turquoise et sur le fait qu'il est carbone neutre, je dirais qu'il sera carbone neutre si on sait ce qu'on fera avec le carbone. Si c'est pour aller le mettre dans le process sidérurgique et réémettre du CO2 après, et bien évidemment, ce brave CO2 qui vient du méthane fossile ne sera pas carbone neutre. Et donc, il y a un aspect sur la cyclabilité, et Grégoire en parlait sur le LCA, qui est indispensable et il ne faut absolument pas dissocier le CCU en tout cas, le CCS, en tout cas, on crase les doigts, qui restera là, on va le mettre. Et c'est important. Alors, un autre message qui est important de faire passer aujourd'hui, en tout cas en ce qui me concerne, c'est qu'il y a toute une série de projets dits de CCU qui sont en fait des projets de CCS. Quand Grégoire parlait de la minéralisation et de la fixation du CO2 sur des matières minérales, principalement calciques et magnésiennes, c'est bien évidemment la meilleure séquestration à laquelle on puisse aboutir, puisque là, le CO2, chimiquement, est extrêmement stable thermodynamiquement et il ne bougera pas tant que quelqu'un ne va pas le mettre dans un four à 1000 degrés pour pouvoir l'extraire. Et donc, il est important aussi de savoir qu'il y a parfois un flou artistique entre CCS et CCU, mais j'aime bien l'approche du CCU qui va depuis la problématique de la source du CO2. Alors, bien évidemment, si le CO2 vient de l'air dans direct air capture, bon, on est dans une voie. Et donc, cet aspect systémique est pour moi fondamental et doit vraiment faire partie de la réflexion et pas uniquement comme on a eu l'habitude et les secteurs ont été construits comme ça, de façon ensilée. Et on va changer de monde. Il y a des initiatives au niveau de Spire qui se dessinent là-dedans. Donc, Spire, c'est l'initiative européenne sur le Sustainable Process Industry et Resource Efficiency qui représente 80% des émissions industrielles en Europe, avec tous les gros secteurs émetteurs, et qui travaille à cet aspect de symbiose et de hub. Et on parlait d'infrastructures de CO2. Autre message que je veux faire passer, il est clair qu'on ne va pas venir accrocher un pipeline de chez Fluxys à tous les petits émetteurs. Le transport par camion et par barque est possible, mais tout ça va être concentré sur des gros hubs industriels. Donc, le concept de symbiose va vraiment, pour moi, atterrir grâce ou à cause du CO2. Alors, quelques mots sur CO2 value. Donc, on parlait qu'il y aura un nouveau business model, des nouvelles technologies. Ben, CO2 value, c'est vraiment sa mission. Donc là, cette association a été créée autour d'universités, mais surtout de start-up et de grandes sociétés pour développer ce nouveau secteur de la transformation du CO2 dans lequel on a des acteurs comme on en a entendu parler, les gens du cas de Climeworks, les gens de Sunfire, etc. Donc, tous les gens qui vont développer les nouvelles technologies et se situer au centre de ce business model, mais ils ne vont pas être les seuls, bien évidemment, là-dedans. Alors, je ne sais pas ce qui se passe avec mon pointeur qui est parti. Alors, un petit clin d'œil à GreenWin. Je ne sais pas si tout le monde est au courant de l'origine de l'association CO2 Value, mais en fait, l'initiative en revient à GreenWin.
Donc, quand en 2013, étant déjà là, membre de l'EXCO, on a décidé au sein de Gridwin de monter un projet de Region of Knowledge que certains ont peut-être connu, qui s'appelait Smart CO2 Transformation. Et je vous assure qu'en 2013, on ne parlait pas encore comme maintenant de l'utilisation du CO2. Ça paraissait plutôt comme un rêve de doux scientifique et que tout le monde parlait du CCS, mais que le CO2 était dans quelques laboratoires, mais pas du tout sur la place publique. Et donc, quand nous avons commencé cette initiative-là avec différentes autres régions européennes, c'était, je crois, une ambitieux et Greenwin peut être fier de la réalisation. Et ce qui a été fait à la suite de ça, mais c'est, je crois, au mois de juin, si je me souviens, 2016, qu'on a clôturé le projet. On était presque 8000 stakeholders européens autour de l'initiative. Ça a abouti à un Joint Development Agreement et un agenda stratégique de recherche pour l'Europe qui, pour moi, a guider les politiques publiques européennes et commencé à intégrer, et on est encore loin du compte. Anestos, qui est ici avec moi aujourd'hui, qui est notre directeur général, le sait bien. En termes d'advocacy et de lobby, je vous assure que les autorités publiques ne sont pas au niveau de maturité que j'ai pu entendre aujourd'hui. Donc, c'est important de savoir que c'est une initiative wallonne, et quand on dit est-ce que la Wallonie a des forces, bien évidemment, elle les a. Elle n'a peut-être pas toujours capturé au bon moment, mais depuis pas mal de temps, elle est au cœur des discussions sur l'utilisation du CO2, certainement. Je ne vais pas repasser en plus ce slide-là. L'association a été fondée sur cette base-là en 2017 et maintenant grandit. Je vais plutôt revenir à quelque chose qui, moi en tout cas, m'a beaucoup aidé dans ma réflexion sur le CCS et le CCU. Et autant Yann disait qu'on n'a pas de compétition à envisager entre les molécules, et c'est vrai, chacun dans son écosystème va plutôt pencher pour l'une ou pour l'autre. Je pense au méthanol pour les sidérurgistes avec leur COH2, je pense au gaz et au power to gas pour nous, et j'expliquerai pourquoi. Il en va de même pour le CCS et le CCU. Et là, j'ai un point de vue qui est très personnel et que j'ai déjà eu l'occasion de partager avec le management et les responsables d'initiatives comme le Zero Emission Platform, c'est quand le CCU et quand le CCS. Alors, je vous recommande vivement la lecture de cette publication donc, qui a été publiée en 2018 par le SAPIA, et qui détermine l'ensemble, enfin, qui met en évidence l'ensemble des écosystèmes dans lesquels et le CCS et le CCU peuvent vivre. Et je vais passer un petit peu plus de temps sur ce slide-là parce qu'il me paraît intéressant, et on va retrouver ici une partie de ce que Yann avait montré tout à l'heure sur les différents cycles. En fait, eux classent, et je trouve ça très pertinent, ces différents écosystèmes en émissions positives. Vous voyez ici ce que j'aime beaucoup, moi, c'est ce qu'ils appellent les unités fonctionnelles. Ça peut très bien être, si je prends notre cas, un four qui produit de la chaux ou un four cimentier, et un autre système qui est une voiture qui brûle de l'essence. Et donc, ça, c'est le système en économie linéaire où chacun va chercher son fossil fuel, puisque c'est en rouge ici, et l'émet. Le premier modèle CCU, et c'est le projet que je vais présenter, qui avait été, je vous donne un peu plus de détails, et Yann l'avait introduit, qui est de dire, ben voilà, tout ce qui est émissions fossiles de l'industrie peut être transformé avec de l'énergie renouvelable en fuel qui est réutilisé à un endroit et réémis. Et comme disait Yann, bon, on va gagner la moitié du chemin par rapport à ceci, et on va les ponctionner un peu moins. Mais on reste quand même dans des modèles CCU de base, les premiers qui vont catalyser. On fait déjà le job en partie. Bon, ceci a été très difficile à expliquer à un moment donné aux autorités qui ne comprenaient pas très bien le principe. Maintenant, je crois que c'est bien acquis. Mais on reste toujours en émission positive. Alors, on a le deuxième bloc ici en dessous qui est le net zéro, ce que j'appelle moi l'économie circulaire du carbone. Alors, un que je n'aime pas, j'expliquerai pourquoi, c'est on brûle et on met en CCS et on séquestre. Il y a l'autre où on fait ça, mais on va chercher en directeur capteur et on le remène. Et puis, on a toutes les bases directeur capture ou capture base et CCU, c'est-à-dire qu'on capture et on boucle. Et on voit ici que si on fait ça, ben, on n'a plus d'émissions et on n'a pas besoin non plus de séquestrer. Et puis, il y a tout ce qui est biobasé, c'est-à-dire qu'on utilise le directeur capture sur base de ce que la nature est capable de faire et on brûle de la biomasse et on transfère en biogaz qui va dans l'atmosphère. Et donc, on a là toute une série d'économies en partie linéaires ou circulaires où le CCS et le CCU ont tous les deux leur rôle à jouer. Le message clé que je voulais faire passer là-dedans, c'est que théoriquement, en tout cas, si on ne veut pas réduire, et bien évidemment, le negative emission est un must, si on veut rester neutre et à partir du moment où on n'extrait plus de carbone fossile et qu'on le fait tourner chimiquement, ça va poser un petit problème pour nous. Bien évidemment, j'expliquerai pourquoi après, avec la partie nécessaire pour nous d'extraire du CO2 fossile sous forme de minéral et non pas de fuel. Mais théoriquement, en tout cas, le CCU est capable de faire le job sans avoir besoin de CCS.
puisqu'on peut très bien louper théoriquement l'ensemble de ces différents flux de carbone et d'arriver à une économie du circulaire du carbone que Grégoire avait dans son dernier slide sur le côté droit, si vous en souvenez, en disant voilà, ça c'est quelque chose de possible. Par contre, il est clair qu'on ne pourra pas faire l'économie du CCS, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas. Je crois que c'est un peu comme le nucléaire. Hein. On ne pourra pas faire l'économie de ça. Les masses sont telles et les challenges sont tels qu'on va devoir y aller. C'est peut-être le pire qu'on puisse envisager en termes, en tout cas, de sécurité long terme. Mais si on veut à court terme avoir un effet massique, le CCS reste, en tout cas, selon moi, une nécessité absolue. Et là, les capacités, même si elles sont gigantesques, les chiffres, j'ai eu les mêmes chiffres que ceux de Grégoire sur les capacités de stockage. Clairement, la disponibilité n'est pas là. Et en termes de timing, la disponibilité ne sera pas là. On a eu l'occasion de travailler, nous, en région wallonne, j'ai vu passer des messages sur les aquifères wallons, c'est vrai, mais quand on commence à discuter avec les autorités pour voir qui va prendre la liability du site en termes de stockage, tout le monde s'en va. Il n'y a plus personne qui veut signer en disant « je garantis que voilà, il n'y aura pas de souci de relargage du CO2, pas de problème de crack, pas de problème de stabilité de terrain, etc. » Donc, c'est un peu compliqué et donc les capacités ne seront pas là. Et donc, moi, mon leitmotiv, et je l'ai déjà asséné dans différents cénacles, c'est de dire que si CCS il doit y avoir, ça ne doit certainement pas être pour compenser encore l'extraction de combustible ou d'éléments fossiles, mais certainement pour faire du carbone négatif. Et donc, ça doit être biomasse, et c'est la partie carbone négatif ici, direct air capture, avec ou plus ou moins d'énergie ici en entrant, et on séquestre, et la même chose avec la biomasse qui fait le même job, mais à son échelle à elle. Et donc, moi, en tout cas, c'est une conviction tout à fait personnelle et que j'essaie un peu de pousser, c'est-à-dire si CCS il y a à avoir, je laisserai la priorité au carbone négatif et plus quand les capacités vont pouvoir s'accroître, de pouvoir commencer à le faire. Mais j'éviterai tous ces modèles-ci, à l'exception peut-être de ce qu'on appelle les unavoidable emissions, qui sont les process emissions. Donc, voilà, j'ai passé un peu de temps sur ce slide, mais je vous recommande vivement, c'est relativement costaud, c'est plus de 250 pages, mais c'est vraiment pour moi une des meilleures publications sur le CCS et le CCU à l'heure actuelle. Alors, derrière ça, quel est l'impact que le CCS et le CCU vont pouvoir avoir? Qu'est-ce que ça veut dire pour un industriel comme nous? Donc, là aussi, ça va dépendre des différents scénarios. J'en ai vu ce matin quelques-uns. Donc, les différents scénarios, ça peut simplement dire comment les autorités vont pousser dans une ou l'autre direction. J'ai entendu parler d'energy efficiency, donc de développer de plus en plus des procédés qui sont aussi efficients possible. Parenthèse, dans notre cas, on est à plus de 95% d'efficience énergétique. Difficile d'aller faire encore quelque chose là-dedans. Ça, c'est pour faire le lien avec la réalité industrielle telle qu'elle peut être. Tous les modèles de circulaire économie. Il y a l'électrification. On parlait d'électrification massive des procédés industriels. Il faut savoir que quand on électrifie un procédé industriel, en tout cas, ceux qui sont relativement matures, on dégrade la plupart du temps l'efficience énergétique et qu'on consomme plus d'électricité renouvelable que d'électricité conventionnelle basse carbone, qui peut être renouvelable. Si je prends notre cas, nous, si on électrifie nos fours, un, ça nous coûte très cher, deux, on n'a pas les fours, et trois, on va multiplier par, on va perdre 50% d'efficience, ce qui est juste gigantesque. Après, on dit, OK, on peut avoir l'hydrogène, c'est un autre vecteur, très bien. L'hydrogène en combustion a une certaine réalité, même mélangée au gaz, mais au niveau de la partie concernant l'utilisation en réalité, bien, convertir certains processus industriels le peuvent, d'autres pas. Brûler l'hydrogène, ce n'est pas aussi évident que ça dans des fours, et en tout cas pour les aspects d'accès à la thermie. Alors, le Power to X qui est à notre faveur, et dire voilà, si on ne sait pas mettre de l'électron dans le processus comme source d'énergie renouvelable, que l'hydrogène c'est compliqué, qu'est-ce qui nous reste? Il reste ce qu'on a déjà, c'est-à-dire le gaz. Et vous verrez qu'une des raisons pour lesquelles on croit beaucoup au Power to Methane, en tout cas une de ces molécules, même si on ne disqualifie pas les autres dans certains cas, c'est simplement pour une raison très simple, c'est qu'on est déjà tous, autant que nous sommes, en tout cas les industries qui sont energy intensive, on utilise déjà énormément de gaz, les installations sont là, on est connecté au réseau, il n'y a plus qu'à dire, voilà, comme l'électricité chez soi, on peut se payer un appro en électricité verte, mais on peut se payer un appro en gaz vert, fût-il biogaz ou e-gaz. Alors, je voulais simplement, sur ce slide-là, en fait, représenter les différents modèles, avec, pour revenir un peu à l'impact que ça peut avoir, je ne vais pas encore aller dans le détail, mais on est dans les chiffres qui sont un peu moins ambitieux que le CCS Institute, qui, à mon avis, est un peu over-ambitieux dans son potentiel. On parlait tout à l'heure de 5 à plus de 10 gigatonnes pour le CCU. Moi, je crois qu'il est plus raisonnable de parler de 1 gigatonne globalement. Et pour l'Europe, ben voici, selon les différents modèles, ben en fonction des synthetic fuels, etc., des différents modèles qu'on pousse à fond,
mais quelles sont les possibilités. Alors, on a deux les modèles, on a des modèles à 2 degrés et des modèles à 1 degré qui sont en fait la combinaison un peu de tout ça. Si on prend ces deux derniers, le live qui est de dire non seulement on se base sur la technologie, mais surtout on change nos habitudes de vie. Ça, c'était sur la croissance de la demande aussi en énergie. Et sur ces deux modèles-là, si on prend le minimum et le maximum, et on voit que le CCU va représenter probablement un potentiel plus grand que le CCS. Et encore une fois, c'est sans prendre en compte, en tout cas, ce à quoi je crois dur comme fer, que le CCS devrait être limité à tout ce qui est émissions négatives. Les challenges de l'industrie là-dedans. Alors, ça, c'est un slide que j'aimerais bien, en tout cas, sur lequel j'aimerais bien insister. Bon, si on regarde un petit peu les émissions de l'industrie en général, on voit quoi? Et on voit que quand on parle d'énergie, que ce soit les possibilités de combustion, l'apport d'énergie pour la réduction, peu importe, ça représente 50%. Et quand, je comprends que ce soit l'optique de Tweed, on travaille sur l'énergie, ben on ne résout en fait que, si on prend ceci, on a un petit peu d'énergie aussi, mais sur la partie, et là, c'est plutôt du chauffage, mais si je prends cette boucle-là, il y a un petit paquet de 20% qui manque, qui sont les émissions de process. Alors, pour adresser ces émissions-là énergétiques, il est clair que l'énergie efficiency est une voie, l'utilisation de l'hydrogène en est une autre, on a dit l'électrification pour amener de la chaleur en est une autre, l'utilisation du biomasse ou du gaz ici sont des solutions pour adresser ça. Mais il reste quelque chose qui est fondamentalement à côté de ça et qui n'en reste pas moins une réalité pour tous ceux qui sont d'ailleurs aujourd'hui autour de la table, c'est que lorsqu'on extrait un carbonate minéral et qu'on le décompose, ben, in fine, on émet du CO2 qui est aussi fossile que celui qu'on a quand on brûle du charbon. Mauvaise nouvelle pour nous. Et donc, comment peut-on faire? Bon, on n'a pas 35 solutions. La seule solution qu'on a, bien évidemment, c'est de dire que ce carbone qu'on émet doit rentrer dans un processus, soit être séquestré, mais encore une fois, uniquement pour moi, pour la direct air capture, et donc il doit faire partie de l'économie circulaire du carbone et de voir comment on peut le cycler et être compensé par des émissions, je dirais, de négatives pour pouvoir le faire. Alors, il y a tout le débat qui est important pour nous, qui est de dire que lorsqu'on met nos produits, je parle de tous les produits, le ciment, c'est le cas, le ciment se recarbonate pendant sa vie, la chose se recarbonate quand elle est mise, le verre pas, on posait la question tout à l'heure de nos amis chez 3B, c'est un peu compliqué sur le verre parce que ce polymère est d'une stabilité déconcertante, mais globalement, ce sont des choses qui existent. Et donc, comment adresser ces 21%? On n'a pas d'autre choix que de penser au CCS et au CCU. Alors, je vais directement faire un court-circuit. Nous, on a étudié toutes ces molécules et on a fait plusieurs constats. On s'est dit que si on doit transformer notre CO2, je vais parler du food. Moi, je veux bien aller extraire du cholestérol de la margarine avec du CO2 qu'on émet, mais il va falloir quelques pots de margarine pour pouvoir y arriver. Simplement parce que les quantités que l'on émet, on parle d'un demi-million, un million, et parfois plus pour les cimentiers par unité de four. Et donc, on est dans des contextes où ce que j'appelle l'effet diabolo, c'est-à-dire qu'on pourrait très bien décarboner l'ensemble de l'industrie chimique en faisant appel à du CO2 to chemicals, et ça va représenter que 5 à 6 % des émissions globales. Donc, quels sont les éléments de masse dans lesquels on va pouvoir assurer quelque chose qui est à l'échelle et qui correspond à nos besoins? Ben là, on va dire, voilà, pour nous, c'est le power to gas et spécifiquement le power to méthane. Et ce, pour différentes raisons. On en a parlé tout à l'heure, on n'a peut-être pas donné de chiffres, mais en termes de potentiel de conversion, nous, ce qu'on voit dans les différentes études, donc c'est rebondir sur ce que je viens de dire, mais c'est très clairement le méthane qui, en termes de volume, présente a priori en tout cas le potentiel massique le plus important en termes de transformation, puisque c'est lui qui a, là, en termes d'usage, que ce soit en combustion, que ce soit même en réduction à la place du carbone en sidérurgie, il a un potentiel énorme. Et donc, on s'est dit, tiens, voilà, c'est quand même la bulle qui est la plus importante et qui pourrait nous aider le plus. Et donc, on n'a pas abandonné, mais on s'est focalisé principalement sur ce vecteur-là. Alors, pourquoi le gaz? Alors, je ne suis pas énergéticien et mes amis d'Engie en ont mieux parlé que moi, mais clairement, en termes de stockage d'énergie, on a parlé de densité d'énergie et pour l'énergie aussi de transport, hein, d'infrastructure de transport, c'est clairement un des éléments qui va dans le bon sens et qui fait que dans les différentes options, ça va être plus facile d'importer du renouvelable depuis les zones hautement ensoleillée de l'Afrique vers l'Europe en transportant du gaz qu'en transportant de l'hydrogène ou en mettant des câbles à très, très haute tension. Je ne suis pas un spécialiste, mais ce sont des éléments assez, assez évidents. Et donc, on s'est dit, voilà, c'est quand même un gaz qui va servir aussi à quelque chose. Donc, pourquoi pas se focaliser et aller là-dessus. Autre chose qu'il faut bien comprendre, c'est pour les gens qui vont utiliser ce vecteur-là,
Et on a un réseau de gaz qui existe, le gaz est là, il n'y a plus qu'à se connecter. Nous sommes, la plupart d'entre nous industriels, déjà connectés au réseau de gaz. Si on y injecte du e-méthane et du biogaz, on a la possibilité, quelle que soit d'ailleurs la molécule, ça sera transparent, bien évidemment, mais on aura la possibilité de ne pas devoir ni modifier nos assets, ni modifier nos procédés, ni dégrader thermiquement nos procédés. Et donc, le gaz a réellement une réelle valeur pour éviter des investissements extrêmement lourds dans le fait de revisiter. J'ai vu le slide de Yann sur l'industrie sidérurgique. Je vous garantis que s'ils peuvent continuer à utiliser du gaz et faire de la réduction directe, non pas à l'hydrogène et au gaz, ils ne vont pas s'en porter plus mal que du contraire. Et donc, nous, industriels, on préfère éviter d'investir, si on peut, dans des nouvelles filières avec des nouveaux CAPEX, parce que l'enjeu est tel qu'on va devoir prioriser là où on met nos moyens financiers, puisque l'équilibre, on a bien vu les chiffres de Grégoire aussi, sur l'ETS et les coûts de capture, on n'est pas encore à l'équilibre là-bas. Donc, troisième raison pour laquelle, pour nous, on est très focalisé sur cette partie gaz, c'est que les infrastructures existent. Et si on voit ici, même au niveau de la connexion Afrique-Europe, c'est ici que va se situer un des plus hauts potentiels, en tout cas du solaire. Et si on veut ramener ça, soit on fait des lignes à haute tension et des infrastructures qui n'existent pas. Et voilà. Et c'est la même chose. On voit ici, ce sont des nœuds, en fait, qui sont très proches des nœuds industriels et qui illustrent également ce dont je parlais sur les zones de symbiose, là où tous ces projets de tissus vont devoir s'accrocher. Les ports vont jouer un rôle clé là-dedans. Ce sont les fameux hubs qui vont vraiment, pour moi, faire atterrir une bonne fois pour toutes cette symbiose industrielle. Alors, un dernier élément, c'est quand moi je lis, encore une fois, je ne suis pas un spécialiste en énergie, les perspectives des mix énergétiques au niveau de l'utilisation, ben on se dit, ben le gaz, si on regarde bien, ben il ne va pas changer beaucoup. Donc, on ne va pas abandonner le gaz. Les investissements en gaz restent des investissements. Alors, on parlait centrale au gaz ou pas. Oui, centrale au gaz, que le gaz vienne de biogaz ou pas, peu importe. Le gaz reste une réalité, en tout cas en termes de mix énergétique pour l'industrie. Ce sont les combustibles plutôt solides qui vont décroître, mais il ne faut pas se faire d'illusions. Ce sont les meilleures perspectives que moi j'ai vues. Et donc, aller décarboniser complètement la partie énergie des process, le gaz gardera un rôle majeur. Alors, le dernier slide ici est un vieux slide. Malheureusement, je n'ai pas retrouvé quelque chose qui était mis à jour au niveau de l'Europe. Et j'aime énormément ce slide pour la partie énergie. Ça vous parlera probablement plus à vous qu'à moi dans son détail. Mais ce qui était important pour moi de voir en tant qu'industriel, c'est-à-dire ici au bout du slide, c'est quels étaient en tout cas les flux d'énergie en termes d'appro tels qu'ils étaient là. Et on voit que le gaz reste ici un appro. Et si on fait le même graphe pour 2050, ça restera important. Donc, on se dit, voilà, si nous, on pouvait brûler du méthane et ne pas devoir électrifier nos procédés, voire les convertir à l'hydrogène, on s'en porte très, très bien. Et donc, je crois beaucoup personnellement à la biométhanisation et au power to gas. Je terminerai avec un petit clin d'œil à ce que Yann a montré dans le coin de son slide. Moi, je vais en ouvrir un tout petit peu plus. Donc, je suppose que certains d'entre vous ont vu la presse fin décembre où, avec nos partenaires Engie, John Cochrane, nous avons annoncé la signature d'un GDA pour la construction de l'installation qui, à l'heure actuelle, en tout cas selon nous, reste une des plus grosses, si pas la plus grosse au monde en termes de puissance, puisqu'on parle quand même de 75 mégawatts de puissance équivalente et électrolyseur. Et dont le principe est, et là j'ai fait un petit zoom sur la partie que Yann avait déjà montrée. Donc le principe est vraiment un principe de symbiose industrielle entre des gens en région wallonne. On parlait de force comme John Cochrane, qui est un des leaders sur son secteur dans l'électrolyse alcaline, Engie, qui est un des fers de lance dans la décarbonisation d'énergie, est très actif avec sa filiale Engie dans la partie méthanation. On parlait de catalyseur tout à l'heure, c'est de ça dont on parle. Nous développons des technologies qui sont ce que j'appelle CCUS compliant, et c'est en mettant les trois boîtes ensemble dans un écosystème bien choisi, avec un business model qui est bien évidemment à intégrer, puisqu'on consomme de l'eau, de l'électricité verte et du calcaire, et on sort ici l'équivalent de 240 gigawattheures par an de e-gaz, de la chaux, de la possibilité de récupérer de l'énergie pour faire du chauffage urbain et de l'oxygène en surplus qui peut, puisqu'il est le coproduit de l'électrolyse, hein, qui peut être utilisé par d'autres. Et bien évidemment, les chaînes de valeur ici intègrent en fait trois chaînes de valeur, celle du méthane, celle de l'électrolyseur et de la chaux, et localisée bien évidemment où on a une capacité de connexion à l'énergie puissante. Donc tout ça pour illustrer que
lorsqu'on rentre dans la réalité, bien évidemment, on est face à toutes ces questions au business model. Et je dirais, maintenant, on a annoncé un chiffre, je ne peux pas aller plus loin dans le détail, mais quand on commence vraiment à regarder les coûts de ceci, on se rend compte que la réalité, quand on dit on est à 40, 50 euros pour pouvoir faire la partie capture et l'électrolyse du CCU, on est parfois un peu loin du compte et que sans les subsides, puisque notre projet, bien évidemment, est attaché à l'obtention de subsides nous permettant de faire le funding du gap en termes de production, et sans ça, pour l'instant, ces projets ne peuvent pas vivre. On prend un risque industriel avec nos partenaires, on va prendre un risque financier avec nos partenaires, mais pour l'instant, les pouvoirs publics sont bien évidemment incontournables pour pouvoir faire vivre cet aspect-là. Et là, je terminerai avec peut-être un élément. Je me souviens d'une question qu'on m'avait posée quand j'avais rencontré les autorités européennes avec CO2 Value. L'officier européen m'a dit, mais monsieur Tilquin, qu'est-ce que vous pensez qu'on doit devoir faire pour pouvoir faire décoller ces solutions-là en termes de coût du carbone? J'ai dit, passez-le à 300 euros la tonne et tout le monde se lancera dans le processus et ne le laissez pas à 20-25. C'était bien évidemment pas un message qu'on aime dans le secteur industriel, mais à un moment donné, j'ai bien aimé la conclusion de Grégoire, tant qu'on n'a pas un incentive économique clair, futile, imposé par les pouvoirs publics, on aura des difficultés à voir décoller ces technologies-là. Certainement, et SNG l'a bien dit aussi, je crois que c'est Yann qui l'a dit, sur la partie upscaling de ces techniques-là. Quand on travaille en labo, ça va, on peut encore se faire subsidier. Dès qu'on commence à mettre des machines comme ça, c'est en dizaines, en centaines de millions dont on parle. Voilà, j'espère ne pas avoir trop perturbé la présentation, mais j'ai essayé de la réorienter en tenant compte de ce qui avait été déjà dit et donner un point de vue d'industriel qui combine énergie, process CO2, CCU, CCS et qui est, en tout cas en ce qui me concerne, tout à fait convaincu que le CCU a plus que sa place dans tout cet écosystème-là. Voilà, merci. Merci Jean-Yves pour cette présentation qui remet aussi l'industriel et le consommateur au centre, donc c'est apprécié. Mais je pense que aussi on voit que dans les éléments économiques, moi je ferais le corollaire avec les énergies renouvelables. Il y a 10-15 ans, on disait que ça coûtait trop cher. Quand on a commencé le cluster, c'était considéré comme encore, oui, vous allez prendre des subsides. Oui, on a fait tout, il y a toute une série de projets pilotes qui ont été faits. Il y a eu des pays qui ont décidé et puis maintenant, c'est devenu les deux technologies les moins chères du marché. Je pense que ce que les présentations aujourd'hui ont montré, en fait, que aussi bien pour l'hydrogène, le CCU et aussi pour le direct air capture, on voit en fait que sur 10 ans, on peut aussi avoir ces courbes de réduction des coûts et donc c'est excessivement intéressant parce que nous on est là pour essayer de créer des chaînes de valeur et des futurs acteurs, donc on doit avoir cette vision mais on doit aussi avoir la vision très concrète de qu'est-ce qu'on peut financer maintenant et là ça a été bien précisé pendant ta présentation qu'il faut aussi des soutiens pour ces projets pilotes, donc tout grand merci pour la présentation. Il y a eu une petite remarque sur comment est-ce qu'on peut créer un effet de coordination de ces CCU au sein de la Wallonie. Est-ce qu'il y a une volonté de créer une plateforme? Je pense que je peux te poser la question, puisque toi, tu as été à l'initiative de cette plateforme au niveau européen. Est-ce que tu vois une compétence wallonne qu'on peut créer là-dessus? Et si oui, comment? Est-ce que finalement, avec Greenwin et Tweed qui pourraient commencer à dynamiser ces filières-là, bloqué déjà le 20 et 27 mai, il y a les prochaines conférences de Greenwin qui seront sur ces sujets-là aussi. Donc, on va continuer évidemment à creuser le sillon. Mais comment est-ce que tu vois, comment est-ce que peut-être Tweed ou Greenwin ou d'autres acteurs, on pourrait venir encore plus aider ce sujet-là? Je ne sais pas s'ils peuvent encore plus aider, puisque ces acteurs-là, et je rajouterai d'autres pôles comme Mécatech, etc., sont également impliqués dans ces dynamiques. Mais la Wallonie est une petite région, les technologies n'ont pas de frontières, nos assets existent, mais il ne faut pas non plus croire qu'on va pouvoir tout faire dans notre coin. Donc, il est clair que si on n'a pas une initiative coordonnée, non seulement en Wallonie, mais nous, on travaille beaucoup avec le nord du pays aussi, avec le Vito, avec d'autres acteurs industriels, etc. Donc, il est clair qu'on doit fédérer les efforts autour d'une approche qui est systémique et homogène. Donc, j'ai vu dans les commentaires passer là-dessus. Alors, il faut savoir que c'est déjà en cours. Donc, Grince hein, et Leslie peuvent en témoigner, Véronique aussi du côté de Greenwin, côté de Mécatech, etc. Il y a déjà des initiatives coordonnées qui se mettent autour de ça. Je ne peux pas les citer, mais il y a pas mal d'acteurs qui sont aujourd'hui autour de la table, qui ont des discussions autour de tout ça. Donc, ça commence à se cristalliser et le monde étant petit, tous ces gens se croisent à un moment donné dans un projet ou dans un autre. Et donc, je crois que ça commence à atterrir.
Et un deuxième aspect qui pour moi est fondamental, et donc cette initiative, elle est cadrée dans le plan de relance, hein, puisqu'on est en train d'en parler, et c'est vraiment un sujet très chaud. Tu parlais en entrée de jeu de l'hydrogène, mais de l'hydrogène sans ça, en dehors de la minéralisation et de certaines voies électrolytiques directes, on va en avoir besoin pour faire du CCU. Et donc, on ne peut pas les disconnecter les uns des autres. Et il y a des initiatives qui doivent être coordonnées à ce niveau-là et de se baser sur les assets que l'on a, je dirais, dans nos régions. Si je parle juste et je prends juste pour ma chapelle et celle peut-être d'autres minéraliers comme les cimentiers, on a une force de frappe dans la chimie minérale calcium-magnésium qui est unique en Europe. On a tous les plus gros acteurs concentrés au monde, donc les plus gros acteurs mondiaux concentrés là, c'est clair. Si je prends John Cockerill, bien évidemment, on a la chance d'avoir un des leaders dans l'électrolyse alcaline qui commence à développer très largement à l'international ses compétences. On a des énergéticiens comme Engie qui ont vraiment pris la mesure de ce shift-là et qui sont éminemment actifs dans ce domaine-là. Donc, on a la possibilité, en tout cas dans notre écosystème, à vraiment avoir des forces sans vouloir nécessairement refaire du directeur capture Climeworks par exemple ou autre, disant voilà, ça on peut peut-être internaliser et récupérer, mais on a vraiment des forces sur lesquelles on peut construire et je vois que les pôles et les clusters sont bien à leur place. Et si j'ai un message à passer, c'est qu'ils se coordonnent, et moi j'essaie également de faire une coordination entre le niveau européen et le niveau régional à ces niveaux-là, autant faire ce peu en tout cas, mais c'est cette coordination qui va permettre en tout cas à la région Hollande de développer pour moi un nouveau secteur et réellement une ambition de reconversion industrielle. C'est une certitude. Et aussi d'assurer la pérennité de son industrie lourde, qui est quand même un des… voilà, on n'en est pas peu fiers les uns ou les autres, même si on a perdu certains morceaux au niveau de la sidérurgie, il reste quand même des gros acteurs industriels wallons. Tout à fait. Merci beaucoup. Sur ce, on va clôturer. On a pris 20 minutes de retard sur le planning. Désolé à ceux qui vont devoir manger rapidement, mais je pense que c'était excessivement intéressant. On a fait un tour assez complet. Je remercie Greenwin pour la co-organisation. Et je vous souhaite un bon appétit. Un tout grand merci aux orateurs. Les présentations vous seront envoyées. Ça a été aussi enregistré. Donc, je demande aussi aux orateurs peut-être de m'envoyer s'il y a une présentation qui doit être modifiée pour l'envoi, de me faire part. Et donc, on enverra ça à l'ensemble des participants. Un tout grand merci et à très bientôt.